sur Oui, ça va, j'ai pas mis de cravate. Je suis sûr d'en avoir mis une. On est prêt ? On est prêt, on peut y aller. Là. Je vais éteindre le téléphone. Je crois qu'on va commencer. Bonjour, bienvenue dans cette journée 4 des folles journées Champollion pour un pas de côté hein, ce matin, puisque nous quittons ce moment de retour sur l'égyptologie pour confier la parole sur des spécialistes dans la période de Champollion et également du geste intellectuel qu'a pu accomplir Champollion. Donc je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie d'être aussi nombreux. Je sais que nous parlons aussi en direct, puisque la séance est retransmise, donc je salue aussi les gens qui nous écoutent à distance. Et nous allons commencer aujourd'hui par une date, hein, qui est celle du 22 septembre 1822, puisque nous nous retrouvons autour d'un lieu de mémoire exemplaire, la lecture à l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, de la lettre à Monsieur Dacier, qui en est alors le secrétaire perpétuel, par Jean-François Champollion le Jeune, relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques, où il expose sa découverte du 14 septembre précédent, à l'occasion de laquelle, et là on est dans le lieu de mémoire, il s'était précipité chez son frère, lui disant « Je tiens mon affaire » avant de tomber en syncope. Tout cela, ce moment, est considéré comme le point de déchiffrement des hiéroglyphes, l'acte de naissance de l'égyptologie moderne, levant le voile sur 1500 ans de silence. Alors un tel lieu de mémoire nous renvoie à l'histoire et à la mémoire collective, française, européenne, occidentale, dans le cas qui nous occupe. Il a une signification particulière, multiforme, dans l'identité d'un groupe. Pierre Nora, l'inventeur du concept de lieu de mémoire, définit ces lieux de mémoire comme des objets complexes, naturels et artificiels, simples et ambigus, concrets et abstraits. Ce sont des lieux matériels, symboliques et fonctionnels. Et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, finalement, peut-être en rendant les choses plus complexes et plus multiformes. 2022, 200 ans après cette syncope de 1822, c'est un peu pour les égyptologues le 1989 des historiens, et nous nous retrouvons pris dans une foule d'événements, grand public ou spécialisés, qui nous invitent, en tant qu'égyptologues, à célébrer d'une part celui qui fait figure de saint patron de notre discipline, Champollion, et d'autre part à faire le bilan de ce qu'il aurait fondé, ce qu'il a fondé, à savoir l'égyptologie. La Bibliothèque nationale de France ouvre cette année de célébration nationale, hein, puisque l'année Champollion est l'une des célébrations nationales choisies par France Mémoire. C'est aussi une célébration disciplinaire qui est ouverte autour de cette magnifique exposition et différentes institutions au cœur de l'égyptologie contemporaine qui sont associées autour de cette semaine de rencontres autour de l'égyptologie. Notre idée aujourd'hui, c'est de profiter de ce moment pour sortir de la géographie et de l'égyptologie et prendre la posture non plus seulement de l'égyptologue, vous l'avez compris, mais de l'historien et de l'anthropologie des savoirs pour interroger la figure, le geste et son contexte. Et je passe la parole à Christian Jacob, helléniste, mais surtout anthropologue des savoirs, qui mène un grand projet sur l'anthropologie des savoirs à l'École des hautes études en sciences sociales. Merci Chloé. Ça marche ? Vous m'entendez ? Oui. Merci beaucoup. Je ne suis pas du tout égyptologue et ma présence ici est celle du grain de sable dans une machine extrêmement bien huilée. J'apporte un point de vue d'historien du monde grec, c'est une civilisation beaucoup plus jeune que l'Égypte, et aussi d'historien des savoirs de manière générale.
Et ce qui m'a intéressé dans ce défi de me joindre à vous ce matin et de répondre à l'invitation de mon amie Chloé Ragazzoli, c'est finalement de pouvoir tester certaines des hypothèses de l'anthropologie des savoirs à propos de ce personnage, de cette découverte, de ce lieu, de ce moment Champollion. Alors pour le dire très rapidement, l'anthropologie historique des savoirs aborde les savoirs non pas seulement du point de vue de leur contenu, mais disons du point de vue de leur contextualisation selon des échelles différentes. Je dirais qu'il y a trois grandes perspectives. Il y a une perspective qui s'attache aux acteurs, aux communautés, et qui, au-delà de la biographie, tout simplement la biographie, s'attache à finalement suivre leur réseau de circulation, leur réseau de formation, leur sphère d'action, depuis les institutions auxquelles ils appartiennent jusqu'aux réseaux plus larges européens et internationaux de leur activité. Donc c'est à la fois, une approche sociologique et également une approche spatiale, c'est-à-dire que la notion de sphère d'action, de réseau d'action, de différentes échelles et donc de mise en rapport avec d'autres lieux et d'autres institutions est extrêmement importante. Le second tournant ou la seconde approche de cette anthropologie historique des savoirs s'attache à la matérialité et à tous les artefacts qui accompagnent un projet, une production savante, c'est-à-dire les inscriptions, les artefacts, les supports, les instruments, les livres, les planches figurées, etc. Et ce qui m'intéresse évidemment dans le cas de Champollion, c'est la multiplicité de ces dispositifs matériels, depuis la pierre elle-même, la pierre de Rosette, ses facsimilés, ses moulages, et aussi les différentes transcriptions et représentations de l'inscription elle-même sur lesquelles Champollion va travailler et grâce auxquelles il va diffuser sa découverte. Et enfin, la troisième approche, c'est celle des pratiques, c'est le tournant pratique, qui finalement s'attache à déconstruire et à reconstruire l'activité intellectuelle au prisme de tout un ensemble de gestes et d'opérations techniques, graphiques, intellectuelles, mais aussi sociales. Et donc, cette anthropologie des savoirs se propose d'observer les acteurs des savoirs, même les plus grands savants, comme les acteurs les plus anonymes, du point de vue d'une observation presque extérieure, en essayant de reconstituer l'ensemble des opérations et des gestes qu'ils ont accomplis. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus facile à faire dans le contemporain. Lorsqu'on travaille sur des figures plus anciennes, c'est évidemment une observation qui est médiatisée par des sources iconographiques, littéraires, archivistiques, qui elles-mêmes se prêtent à tout un ensemble de niveaux d'interprétation. Donc voilà très rapidement un petit peu ce tournant anthropologique que je représente avec mes collègues ici et pour dialoguer avec vous tous. Merci beaucoup Christian. Je vais passer la parole à Félix Rolatz, ancien pensionnaire de l'École française du Caire, historien, archéologue et également historien de la discipline, qui va vous présenter le déroulé de cette matinée. Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme cela vous a été dit, il s'agira de mobiliser cette anthropologie historique des savoirs, de questionner la figure de Champollion. Et cela a été possible grâce au programme de recherche Écriture qui associe Sorbonne Université et l'Institut français d'archéologie orientale, dirigé par Chloé Ragazzoli, ici à ma gauche, que je présente quand même, donc maîtresse de conférence à l'Université de Paris-Sorbonne et actuellement chercheuse à l'Institut français d'archéologie orientale. Donc, comme on vous a dit, l'objectif, c'était de faire parler des chercheurs venus d'horizons différents. La preuve sur cette table, pour une fois, les égyptologues, nous sommes en minorité dans cette semaine Champollion, ce qui est un parti pris donc, que nous avons parfaitement voulu. Et c'est pourquoi donc, je vous présente rapidement les spécialistes de champs disciplinaires extérieurs à l'égyptologie que nous avons voulu mobiliser. Donc, tout d'abord, Flavia Carraro, chercheuse en anthropologie des savoirs
d'histoire et spécialiste du déchiffrement du linéaire B mycénien. Jean-Luc Chappé, professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, historien des savoirs et des sciences au tournant du 19e siècle. Jean-Charles Dussène, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et spécialiste des savoirs arabes médiévaux. Et Frédéric Thomasson, professeur à l'université de Uppsala, ayant travaillé sur d'autres chercheurs qui ont eux-mêmes travaillé au déchiffrement des hiéroglyphes avant Champollion, dont le Danois Åkerblad. Donc, nous avons aussi choisi de, non pas d'organiser un colloque ou une succession de conférences, mais le format de la table ronde. Nous souhaitons ainsi faire circuler la parole entre tous les participants et tenter d'apporter collectivement un éclairage transdisciplinaire sur la construction des savoirs égyptologiques autour et à partir de la figure de Champollion. Nous trois, ici au centre, servirons d'animateurs et vous verrez, nous allons tenter de faire circuler la parole entre les différents intervenants. Pour structurer quand même un peu notre table ronde, nous avons divisé notre temps de parole en quatre grands thèmes. Tout d'abord, nous allons réfléchir au moment Champollion, quel est le statut de cette figure de Champollion dans le monde des lettrés de son époque, dans le contexte intellectuel de son temps. Pour ensuite tenter de réfléchir à une histoire connectée de Champollion, donc comment la figure de Champollion doit être perçue dans le cadre des histoires de transfert, de dialogue culturel et au-delà un peu plus largement traiter de ces questions d'histoire transnationale pour ensuite rentrer un peu plus dans le cœur du débat et faut pas oublier Champollion, on en parle parce qu'il a déchiffré les hiéroglyphes. Hier soir nous avons eu une très belle conférence pour ceux qui étaient là sur le déchiffrement du méroïtique, donc nous allons tenter aussi de mettre en perspective ces gestes qui accompagne le déchiffrement et comment, pour terminer, peut-être réfléchir un peu plus à en quoi le fait que ce soit Champollion qui ait déchiffré les hiéroglyphes occupe encore une place importante dans notre discipline. Je vois des étudiants dans la salle, ils savent bien que même en 2021, un égyptologue doit lire les hiéroglyphes, même s'il veut devenir archéologue et qu'il ne les utilisera peut-être jamais dans sa pratique quotidienne du métier. Et c'est peut-être pas neutre pour réfléchir à notre discipline d'égyptologie. Donc voilà. Donc si nous commençons tout d'abord, ce premier moment, Champollion. Merci beaucoup Félix. Alors sur les horaires qui ont été indiqués jusqu'à 13h, en fait, c'est l'étendue de la salle. On peut garder la salle jusqu'à 13h, mais ce sera probablement un peu plus court. Et nous nous arrêterons à mi-chemin pour prendre un café, faire une vraie pause café. Merci. Donc nous avons décidé, c'était l'idée, de partir de 1822, de ce moment Champollion, puisque la date même et le fait de choisir une date dans un parcours intellectuel pour célébrer une personne, célébrer un acte et célébrer une discipline n'est pas innocent. Aux yeux du public et des égyptologues, 1822 correspond à la découverte d'une des bases du déchiffrement et non pas du déchiffrement proprement parlé, à savoir la reconnaissance de la valeur phonétique des hiéroglyphes et non plus seulement idéographique ou symbolique. Il a fallu attendre 1824 pour que Champollion rédige son précis, dans lequel il reconnaît la valeur figurative, symbolique et phonétique du système égyptien. Donc là, les trois grands principes sont posés. Et on voit comment ici, la temporalité de l'élaboration savante vient se heurter à la commémoration, à la construction mémorielle. Alors, quelques mots sur Champollion. Il est né en 1790, donc un an après la Révolution. D'une famille, semble-t-il, libérale, mais d'une famille relativement modeste, puisque son père, mais ça n'est pas complètement innocent, était colporteur, et notamment colporteur d'imprimés. On sait quel rôle cela a pu jouer dans la circulation de la lecture et des savoirs dans cette France du XVIIIe siècle. Puis son père s'est installé comme libraire à Figeac, et c'est là que Champollion est né, dans une famille donc installée dans le Lot, mais originaire d'Isère.
Il est boulimique, il est autodidacte et il va rejoindre très vite son frère aîné à Grenoble, qui va prendre en main ses études, d'abord à Grenoble. Vous voyez ici, je crois, le lycée où Champollion s'ennuyait beaucoup, avant de l'envoyer à Paris étudier toutes les langues orientales possibles au Collège de France, mais aussi à cette École royale et spéciale des langues orientales. Donc ici, on voit un savoir qui se construit dans un réseau social et aussi dans un réseau de lieux de savoir. Il revient ensuite à Grenoble avant d'être exilé à Figeac pendant la Restauration, puis finalement regagner Paris où il publiera et publicisera les différentes étapes du déchiffrement. Il est nommé au Louvre, à la tête de la première collection d'antiquités égyptiennes, puis enfin au Collège de France et à l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, et il meurt d'épuisement en 1832. Nous allons donc partir de cette figure inscrite dans ces réseaux familiaux, savants, sociaux, un jacobin né un an après la Révolution française et porté alors par une épistémée particulière, par un contexte intellectuel particulier, celui de la confiance dans le progrès de la civilisation par le savoir, qui pourrait aussi contribuer à la concorde entre les hommes par la connaissance des langues. Il vit l'épopée napoléonienne qui le laisse de côté. Il est trop jeune, mais sa trajectoire va être extrêmement marquée par les secousses de l'Empire, puis d'une restauration assez violente, puis enfin l'installation d'une monarchie libérale. Donc un homme d'origine modeste, provinciale, mais qui va aussi jouer de tous ses réseaux pour imposer une découverte et construire une figure publique, puis un héros national. En arrière-plan, on a aussi cette figure du génie et de la pensée seule face à un autre paradigme de réflexion qui est celui des processus de savoir qui passent par des socialisations spécifiques. Je vais donc attaquer ce moment Champollion en posant une première question à Jean-Luc Chappet et lui demander à quel moment historique finalement appartient Champollion. C'est un savant des Lumières, dit-on, c'est un savant romantique, est-ce que c'est les deux? Et qu'est-ce qui en fait en partie un homme des Lumières, mais pas seulement? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, un grand merci pour me permettre de participer à cette discussion. Moi, je suis comme Christian Jacob, je ne suis pas égyptologue, mais je pense que j'ai un grand plaisir justement à dialoguer avec des spécialistes. Alors, Champollion, je dirais, ce n'est pas quelqu'un qui est né après la Révolution, c'est quelqu'un qui est né pendant la Révolution, et c'est un homme de la Révolution. Je vais essayer de le montrer en rappelant quel est le contexte. Alors, ce contexte, il est intéressant parce que c'est un contexte en même temps très favorable pour le développement des activités scientifiques et en même temps très défavorable dans le contexte précis des années 1820. Très favorable parce que, comme je le rappelle, Champollion, c'est un homme de la Révolution. Et c'est vrai qu'alors on va revenir sûrement sur la poétique de la découverte, autodidacte, génie, etc. C'est un homme qui, en fait, à Grenoble, dès sa formation, va bénéficier des institutions, des lieux de savoir créé pendant la Révolution. On a d'autres témoignages sur le Grenoble savant grâce à Stendhal, par exemple, mais on sait que Grenoble, grâce à son école centrale, devenue lycée, grâce à son musée, est un lieu d'effervescence. Disons-le, pour faire écho à ce que vient de dire Christian Jacob, c'est un lieu où vous allez trouver non seulement des institutions pédagogiques, mais des dépôts de savoir. Et je pense que c'est très intéressant de rappeler ça, et en plus, on est quand même ici, et je ne vais pas anticiper sur ce qu'on va dire, mais on est à la BNF et il ne faut pas oublier qu'on pense souvent le geste de Champollion uniquement comme un geste livresque, comme un geste qui viendrait en quelque sorte de la lecture et de l'apprentissage des langues. Champollion, c'est aussi quelqu'un qui va beaucoup travailler sur les objets. Il y a une matérialité de la connaissance et de la fabrication de la connaissance de Champollion, et cette matérialité, finalement, il va la trouver assez rapidement, non seulement en ayant accès à des collections bibliographiques, mais en ayant accès à tout un ensemble d'autres collections. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'égyptologie, à l'époque, il faut savoir, la connaissance de l'Égypte passait aussi bien par des objets comme des médailles, comme tout un ensemble d'objets qu'on appelait les antiquités, avec naturellement une mode qui, à partir des années 1810, va trouver appui sur la grande entreprise
éditoriale, qu'on pourrait dire étatique, menée autour de ce qu'on a appelé la description de l'Égypte. Et cette description de l'Égypte, elle repose sur l'étude de très nombreux objets qu'on va trouver aussi bien dans les musées de province que justement dans les grandes institutions parisiennes dont vous avez rappelé le nom, hein, le Collège de France, qui est resté pendant toute la période de la Révolution, pendant l'Empire, etc., une institution centrale, dans une institution pédagogique, mais également une institution de construction des savoirs, hein, dans le domaine de l'astronomie, par exemple, et très rapidement, en effet, dans le domaine des langues, qu'on va appeler le domaine des langues orientales. Donc le Collège de France, une création très importante qui est, en effet, Chloé l'a rappelé, créée en 1795 et ouverte en 1796, qui est l'école dite spéciale des langues orientales, qui, il faut le rappeler, va s'appuyer largement sur la Bibliothèque nationale de l'époque. Pourquoi ? Parce que la Bibliothèque nationale, et jusque pendant une grande partie du XIXe siècle, la Bibliothèque nationale, qui est créée pendant la Révolution, hein, en 1791, puis ouverte, pourrait-on dire, en 1792, est un lieu où on va retrouver des livres, hein, en particulier toutes les collections confisquées dans les collections privées, aristocratiques ou royales. Mais à partir de 1795, c'est aussi un lieu où l'on va trouver des collections, hein, d'objets, comme je le disais tout à l'heure. Le cabinet des médailles et va devenir un lieu très important, hein, où justement va apparaître un des premiers cours dits d'archéologie, un cours qui va être pris en charge par une personnalité très importante à l'époque qui s'appelle Aubin Milin de Grandmaison, Aubin Louis Milin de Grandmaison. Un professeur qui va donner des cours d'archéologie en s'appuyant justement sur tout un ensemble d'objets qu'il trouve à la Bibliothèque nationale. Hein, la Bibliothèque nationale, c'est un dépôt où on va trouver donc des médailles, des antiquités et également tout un ensemble d'autres collections très importantes qui sont toutes les collections rapportées par les voyageurs du XVIIIe siècle. Hein, c'est-à-dire, si vous voulez, dans les premières années du XIXe siècle, la Bibliothèque nationale, c'est un lieu... si on pouvait utiliser un anachronisme, hein, c'est un lieu de savoir ethnographique, voire anthropologique. C'est là, par exemple, hein, quand il y a un jeune Chinois qui arrive à Paris, que les grands savants de l'Institut national et de la Société des observateurs de l'homme, ils emmènent le jeune Chinois à la BN, à la BNF, pour l'habiller en chinois, pour tenter, en quelque sorte, de le faire agir, hein, sur des objets rapportés de Chine, l'idée étant d'observer, pour observer et comprendre le chinois, mieux vaut en quelque sorte eh bien, l'habiller, le faire passer pour un vrai chinois. C'est dire, si vous voulez, l'importance, hein, de la Bibliothèque nationale dans, je dirais, la configuration générale de cette France savante et de ce Paris savant. L'égyptologie, et alors ce qu'on n'appelle pas encore l'égyptologie, mais la curiosité pour l'Égypte, il faut savoir, elle est également très présente chez d'autres savants qu'on oublie, qui sont les naturalistes. Hein. Il faut savoir qu'au muséum, alors créé en 1793, le Muséum national d'histoire naturelle, hein, qui est très connu par les spécialistes de ceux qui travaillent sur l'histoire naturelle, on s'intéresse également à l'Égypte. On s'intéresse également à l'Égypte et donc à des ouvrages et donc à des objets, en particulier parce que quand vous êtes naturaliste, vous vous intéressez à la géologie, à l'histoire de la Terre. Et parmi les sources de cette histoire de la Terre et des controverses qui peuvent naître, hein, il faut savoir que la grande controverse qui va émerger dans les premières années du XIXe siècle, c'est la controverse entre deux naturalistes très fameux, hein, les deux grands naturalistes du début du XIXe siècle, Georges Cuvier et Jean-Baptiste Lamarck. Et cette controverse, elle porte sur quoi ? Sur l'origine, hein, et l'histoire de la Terre. Et donc sur l'interprétation du récit biblique, le déluge. Et parmi, justement, tous les matériaux qui servent à enrichir, alimenter cette controverse, eh bien, il y a toute une réflexion, alors plus ou moins imaginaire, liée aux matériaux des connaissances liées à l'Égypte, à la civilisation égyptienne. Et c'est pour cette raison que, après l'expédition d'Égypte en 1798, eh bien, l'État, hein, va accorder de manière très importante, pourrait-on dire, un intérêt à l'Égypte, parce que l'Égypte, en quelque sorte, est le support de multiples savoirs, hein, aussi bien des savoirs des scientifiques, mais également des savoirs partagés par des artistes,
des littéraires. Donc, Champollion, en quelque sorte, voyez, il va s'inscrire à partir des années 1810 dans cette configuration qui fait de la France, je le disais tout à l'heure, une capitale. C'est une véritable, je dirais, Paris et la France. Paradoxalement, on l'oublie, mais après la Révolution française, Paris redevient une grande capitale savante. C'est pour cette raison que, d'ailleurs, on en reparlera, je pense, tout à l'heure, de très nombreux savants européens viennent à Paris. Alors, vous voyez, avec tout le paradoxe, on sort d'une Révolution française que certains critiquent. Néanmoins, Paris redevient attractif du fait, justement, de ses collections, de ses grandes collections au Muséum, à la Bibliothèque nationale et également au Louvre. Donc, moment favorable, une sorte de capitale scientifique incarnée, j'en ai parlé tout à l'heure, par l'Institut national, dont Dacier, en 1822, est justement le secrétaire perpétuel d'une des classes, un Institut national qui est très important dans cette configuration-là, qui a été refondé, recomposé en 1795, réformé par Bonaparte en 1803, qui constitue véritablement le centre qui organise en quelque sorte ces institutions savantes, qui ne se réduisent pas, je le disais tout à l'heure, aux seules grandes institutions, mais vous trouvez à travers les lycées, à travers les musées, dans les différents départements, en France et dans les territoires occupés, eh bien, des relais importants. Donc, Champollion va s'inscrire, en quelque sorte, dans cette configuration. Moment favorable, moment également quand même défavorable. Vous avez dit, Chloé, qu'on était dans une monarchie libérale. La monarchie, la restauration de 1815 est loin d'être favorable aux activités savantes. Plusieurs spécialistes du début du 19e siècle l'ont montré, à partir de la seconde restauration, en 1815, après les 100 jours, où justement les Champollions vont se faire remarquer en prenant position de nouveau pour Bonaparte. Jean Lacouture parle alors, dans sa biographie, peut-être qu'on en parlera, parle de Jean-François Champollion, il dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié, mais enfin, il aurait eu cette... On l'aurait appelé le Robespierre grenoblois. Donc, je ne sais pas si vous voyez, à tel point, la légende noire de Robespierre, à ce moment-là, ce n'était pas forcément particulièrement favorable quand vous êtes un jeune savant qui tente de se faire construire la réputation, de tenir ce type de jugement. En tout cas, si vous voulez, à partir de 1815-1816, un discours particulièrement critique va émerger, en particulier dès ce qu'on va appeler le courant des ultras, mené dans le cadre d'une reconquête catholique particulièrement virulente. Il faut savoir qu'à partir de 1816, dans certaines villes de France, on assiste à des autodafés contre ce qu'on appelle les mauvais livres. Vous avez toute une rhétorique contre les Lumières. Alors certes, vous voyez, il y a une sorte de paradoxe dans ce moment-là, c'est-à-dire un discours indéniablement porté par une partie de l'espace scientifique et de l'espace politique qui s'inscrit dans l'héritage d'une révolution, un discours très progressiste, et puis on va voir émerger un discours très violemment anti-scientifique, on pourrait dire anti-scientiste, qui s'inscrit dans une condamnation des Lumières, qui s'inscrit dans une condamnation des sciences. Et il faut savoir que ce discours, il se met en place à partir de 1816, et il va progressivement se radicaliser. Il va progressivement se radicaliser, il faudrait... Là, prendre en compte une histoire politique fine, mais on le sait qu'à partir de 1820, à travers en particulier un ministère qui s'appelle le ministère de Villèle, ce ministre, à partir de 1820, donc toujours, on est toujours sous le gouvernement de Louis XVIII, qui va mourir en 1824. Vous voyez, la chronologie politique est intéressante parce qu'elle correspond finement, pourrait-on dire, aux étapes de l'ascension de Champollion. 1822, si on veut être très précis, c'est l'année pendant laquelle le pouvoir de Villèle prend les mesures les plus sévères, les plus strictes en termes de censure, de contrôle des institutions scientifiques et de contrôle de toutes les institutions, pourrait-on dire, politiques, etc. C'est à ce moment-là, si vous voulez, les ultras prennent véritablement le pouvoir et mènent une offensive très violente contre ce qu'on appelle les libéraux, parmi lesquels... Vous avez quelqu'un comme Champollion. Donc on a là une sorte de paradoxe, et je pense qu'on va y revenir, parce que c'est à ce moment précis où, a priori, Champollion aurait le moins de chances possibles d'accéder à quelque sorte de reconnaissance scientifique,
Il réussit. Alors, je ne voudrais pas parler trop longtemps, parce que le but de la table ronde, c'est de vraiment la parole, mais je voudrais juste laisser sur ce paradoxe, parce que je pense qu'il y a des réponses, des éléments de réponse, justement, sans faire référence à cette poétique de la découverte et du génie. Hein. Néanmoins, et je finis là-dessus, c'est naturellement, et dès les premières biographies, il faut savoir qu'à ce moment-là, hein, c'est aussi une période de développement de ce qu'on appelle la figure du génie romantique. Hein. Figure du génie romantique, par exemple, c'est quelqu'un comme Évariste Galois, un jeune mathématicien, fauché très jeune, en pleine ascension. Hein. C'est ce moment-là également, si vous voulez, les années 1820, c'est à ce moment-là qu'on voit émerger toute une nouvelle génération. C'est le moment de la publication 1822, c'est une des premières grandes publications de Victor Hugo, hein, qui sont les Odes. C'est à ce moment-là que se met en place hein, tout un nouveau discours, alors particulièrement dans le monde de la littérature, hein, autour justement de la notion de génie, autour justement de toutes ces notions. Hein, on va retrouver le génie, c'est qui ? C'est l'enfant autodidacte, comme Champollion, enfin, comme on dit que Champollion l'a été. C'est tout un ensemble justement d'éléments que très rapidement, justement, les premiers biographes de Champollion, hein, qui vont écrire des biographies avant sa mort, eh bien, vont ériger Champollion en une figure de héros. Alors, là encore, hein, comment expliquer que Robespierre, le Robespierre grenoblois, devient le héros d'une France ultra-catholique ? Merci beaucoup Jean-Luc, c'était une excellente introduction à nos questions et puis plus qu'une introduction, alors on va revenir à cette question, comment, par quel processus Champollion devient cette figure publique avec sa notoriété. Si on revient un petit peu sur son parcours, on peut s'étonner hein, en tant que néophyte, essayer de comprendre comment un homme d'origine relativement modeste arrive à s'insérer dans les différents réseaux de savoir qui ont été évoqués, des institutions qui nous semblent prestigieuses. Hein, on est habitué aux verrous, des concours, des curriculums, etc. Et on a un jeune homme qui n'a jamais eu de diplôme, qui va devenir très jeune membre de l'académie qu'on n'appelait pas Delphinal, mais l'académie de Grenoble, où il lit même un mémoire. Je crois qu'il n'a encore pas 18 ans. Comment il s'insère dans des réseaux de savoir légitimes et légitimants ? Alors, C'est vrai qu'on a, il faut prendre en compte le fait qu'à ce moment-là, si vous voulez, il y a quand même tout un ensemble de réorganisations des institutions, mais un mode de fonctionnement de la société hein, qui reste, très héritière dans l'Ancien Régime, c'est-à-dire le rôle des protections, le rôle des réseaux. Hein. Et indéniablement, et ça c'est assez bien connu, si vous voulez, le jeune Jean-François va largement bénéficier des réseaux de protection de son frère, hein, qui... très rapidement, finalement, l'intègre et lui donne la possibilité d'accéder à des protecteurs très influents. Hein. On parle hein, dès, finalement, son adolescence de quelqu'un comme Joseph Fourier, hein, ancien membre de l'expédition d'Égypte, qui va occuper, hein, sous le consulat et l'Empire, des positions de pouvoir très importantes. Hein. Donc, au-delà de la légende qui voudrait que le jeune Champollion que Fourier dise de Jean-François qu'il connaît déjà toutes les langues, au-delà de l'anecdote, le fait que Fourier s'intéresse à ce jeune homme est très important, parce que Fourier, qui va avoir un rôle majeur et essentiel hein, dans justement dans l'entreprise dont je parlais tout à l'heure, qui est la publication de la description de l'Égypte, Fourier, indéniablement, va donner, en quelque sorte, va ouvrir un certain nombre de portes au jeune Jean-François pour pouvoir accéder à de nouveaux protecteurs. Et en préparant un petit peu cette intervention, j'ai été étonné de voir, c'est assez connu, hein, mais j'ai été étonné de voir que Champollion, sous l'Empire, va être protégé par Louis de Fontanes. Hein, Louis de Fontanes qui devient qui est à ce moment-là le grand maître de l'université. Et en fait, Champollion, il va avoir hein, cette... Alors, c'est pas exceptionnel. Hein, quand vous regardez, en quelque sorte, le fonctionnement de l'espace savant, vous constatez que vous avez une institutionnalisation très forte
d'un côté, c'est-à-dire que progressivement, les grandes institutions pédagogiques deviennent des lieux de carrière, d'ascension. Il n'empêche que, à côté de ces grandes institutions, en particulier pour les domaines de savoir qui ne sont pas fortement institutionnalisés, hein, c'est-à-dire qu'il est clair qu'à partir de 1800, si vous voulez être mathématicien ou physicien, il faut passer par les réseaux des polytechniciens. Si vous n'êtes pas protégé par Berthollet, Laplace ou des grandes figures du monde des mathématiques et de la physique, vous ne pouvez pas faire carrière. De la même manière, en histoire naturelle. Mais dans les domaines, dans ces domaines pas encore institutionnalisés, hein, les domaines des antiquités, le domaine des langues anciennes, etc., en dépit de l'institutionnalisation de l'école spéciale des langues orientales, vous avez encore des voies, hein, qui vous permettent, en quelque sorte, d'accéder comme ça à des positions, alors qui ne sont pas des positions de pouvoir, hein, parce que Jean-François Champollion, finalement, avant les années 1830, il faut attendre assez longtemps, il a pas une reconnaissance institutionnelle. Mais en dépit de ça, ça vous permet néanmoins d'accéder, hein, à des possibilités de publication dans les journaux, des possibilités d'avoir accès à ces lieux de production des savoirs, en particulier les grands dépôts. Et tout ça va permettre à Jean-François Champollion, finalement, de construire progressivement son nom, avec tout un ensemble de difficultés. Parce que, justement, comme je disais, il y a quand même des acteurs qui considèrent que progressivement, si vous voulez, et en particulier à partir de l'Empire, qui considèrent que un certain nombre de domaines de savoir deviennent des chasses gardées. Hein, vous avez, en quelque sorte, la construction de la position mandarinale, en particulier au sein de l'Institut national, où on sait que certains, hein, il l'a dit lui-même, Champollion, il l'a écrit, mais des gens comme Quatremer, comme Sylvestre de Sacy, etc., cherchent à contrôler, hein, ces carrières. Et Jean-François Champollion va se heurter, finalement, à non pas forcément une hostilité des milieux scientifiques parisiens, mais néanmoins, si vous voulez, il va devoir, en quelque sorte, œuvrer, voire monter des stratégies pour se faire reconnaître. Et c'est pour ça que ces années, si vous voulez, 1820-1830, sont particulièrement intéressantes, parce qu'on a, en effet, des stratégies. C'est pas quelque chose, vous voyez, Champollion n'arrive pas, d'accord ? Et sa découverte, en quelque sorte, n'éclate pas aux yeux des autres savants. Il va devoir, en quelque sorte, construire avec son frère, hein, ce qu'on pourrait appeler une stratégie de conquête de position institutionnelle. Et du coup, on peut parler aussi d'une stratégie de conquête qui a particulièrement bien marché et qui, surtout, est particulièrement habile. Parce que quand on voit parmi les différents patrons, si on peut utiliser ce terme-là, ou protecteurs de Champollion, on passe depuis Fourier, donc, dont il a été rappelé, il était préfet de l'Isère au moment où est arrivé Champollion à Grenoble. C'était un ancien de l'expédition. Donc là, Champollion a un accès à la fois au savoir et au lieu de pouvoir. Mais en même temps, après, pendant la Restauration, il réussit aussi à faire oublier en quelque sorte ou passer outre son passé de jacobin grenoblois, de Robespierre grenoblois, avec des contacts, par exemple, avec des gens comme le duc de Blacas, qui était quand même premier gentilhomme de la chambre du roi de Louis XVIII. Et c'est peut-être pas neutre aussi dans sa relation, dans ce contexte, vous nous parliez des ultras, et comment, du coup, ce contexte politique peut être vu dans une carrière comme celle de Champollion. Bien sûr. Avec toujours le risque, vous voyez, c'est-à-dire que voilà, ce jeu de protection, il est très risqué parce que très souvent, c'est lié à ce qu'on pourrait appeler des relations domestiques. Donc, c'est vrai, vous rappelez donc, le rôle de Pierre-Louis Jean Casimir de Black Abs Dolps, hein, qui a joué un rôle très important dans ce moment. En fait, dans le moment où on avait besoin quasiment de Champollion, de rattraper Jean-François Champollion, hein, qui s'était grillé complètement pour avoir repris position, en fait, pour Bonaparte. Mais il y avait beaucoup d'acteurs comme ça, hein, qui, à un moment donné, si vous voulez, dans ce moment où les circonstances politiques connaissent des changements brutaux, il y a certains qui ont les codes, qui sentent, hein, qui arrivent très rapidement à se réintégrer. Puis il y en a qui sont un peu en décalage par rapport à l'événement. Hein, c'est-à-dire, quand vous prenez quelques semaines, si vous voulez, le vent peut tourner. Et si vous n'avez pas justement les protecteurs suffisamment bien placés pour vous rattraper comme ça, vous avez énormément, hein, pendant cette période, ça a été assez bien étudié,
pendant cette période des 100 jours, vous avez des carrières hein, qui montent, puis des gens qui disparaissent, et qui vont être, certains vont disparaître à jamais, et d'autres vont mettre plusieurs années à revenir. Donc c'est vrai que c'est intéressant, et vous voyez, je pense que ce jeu des relations interimpersonnelles doit être pris en compte, en particulier dans la carrière de Champollion. Et son génie, c'est sûrement d'avoir réussi justement à, parfois, à garder ce type de protection. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots des stratégies qui sont mises en œuvre, notamment autour de son frère, une fois que le déchiffrement est acté par cette prise de parole à l'Académie, pour imposer la découverte et puis imposer cette figure, quelles sont les étapes par lesquelles passe cette construction d'une figure du génie Est-ce que c'est quelque chose qui est immédiat? Est-ce que c'est quelque chose qui est progressif? Quels sont les ressorts de cette construction? Alors moi, je ne suis pas spécialiste hein, de ce moment, mais en fait, il suffit, et d'ailleurs, regardons un des outils majeurs aujourd'hui de la recherche historique grâce à la BNF, qui est l'outil de Retro News, hein, qui vous permet d'avoir, en quelque sorte, un panorama de toute la presse du moment. Donc, moi, j'ai tapé Champollion sur Retro News, 1820-1830. Ça permet de voir en partie, en gros, la stratégie qu'il a menée, en particulier dans la stratégie de publication. En particulier vis-à-vis des catholiques. Parce qu'en 1822, il va prendre position dans un grand débat hein, sur... alors là, je laisserai les spécialistes en parler mieux que moi, mais qui était autour d'un... Attendez, je vais regarder, parce que c'est autour donc d'un objet rapporté de l'Égypte, c'est l'objet qui vient de Dendera. Voilà, le zodiac de Dendera, qui suscite en quelque sorte une controverse super intéressante entre les savants et les ultras. En 1822, Biot, qui est le grand savant de l'époque, hein, va prendre en quelque sorte position dans un débat hein, qui, a priori, ne le concerne pas. C'est un savant, c'est un scientifique, on pourrait appeler pur et dur, c'est un mathématicien. Bon, il s'est fait connaître hein, pour avoir écrit un certain nombre d'ouvrages sur l'histoire des sciences. C'est un homme... Donc très puissant au sein de l'Institut national, qui va prendre position en disant, voilà, ce zodiaque permet de mettre en cause le récit biblique. C'est-à-dire, ce zodiaque, l'étude de zodiaque, permet de montrer que la chronologie de l'âge de la Terre est beaucoup plus, on va dire, large que la chronologie biblique. Ça crée une controverse. Et là encore, si vous voulez, les catholiques, hein, c'est une controverse, ou les ultras, en particulier, moi j'ai regardé un journal qui s'appelle Le Drapeau Blanc, hein, c'est un journal ultra, qui va justement partir en guerre contre les savants, qu'ils appellent les savants matérialistes. Hein. Alors il faut savoir que, vous voyez, Biot, c'est pas nouveau, c'est-à-dire il reprend un certain nombre de thèmes qui ont été posés en 1795 par un auteur qui s'appelle Charles Dupuis. C'est un auteur très important parce que au moment du directoire, Dupuis va proposer une histoire comparée des religions, et en particulier en s'appuyant sur la religion égyptienne. Et Dupuis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tous les écrits religieux, c'est-à-dire la Bible, etc., tout ça, ce sont des mythes. Et donc, il faut prendre en compte Dupuis, qui est un orientaliste, eh bien, va prendre position, là encore, dans un débat naturaliste sur... l'âge de la Terre est beaucoup plus important. En 1822, que va faire Champollion? Eh bien, il va, c'est assez bien connu, hein, donc je pense que les spécialistes connaissent ce que je dis, Champollion va s'opposer à Biot. Il va faire quelque chose qui est assez intéressant, et si on reparle tout à l'heure de la disciplinarisation de l'égyptologie, pour Champollion, qui prend position, il dit non, attendez, on ne peut pas en fait mêler deux débat. Pour Champollion, le zodiaque de Dendera n'est pas un objet scientifique. C'est un objet culturel. Et pour Champollion, il dit qu'il ne faut pas mélanger les deux. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer ce qui relève du culte et donc ce qu'on peut lire ou ce qu'on peut interpréter sur un objet du culte, ça reste du côté
de l'imaginaire, de toute la chose qu'on ne sait pas. Or, en faisant cette distinction-là, eh bien, très rapidement, Jean-François Champollion va devenir, dans les journaux catholiques et ultra, en quelque sorte, une sorte de champion qui vient valider les thèses catholiques. Champollion, c'est un petit peu un paradoxe, valide, mais on y reviendra tout à l'heure parce que je pense qu'on a là la clé de quelque chose intéressante que j'arrive pas moi-même à formaliser complètement. Mais à ce moment-là, finalement, il y a un retournement, hein, c'est-à-dire que Champollion devient celui qui, et d'ailleurs, va être rapproché dans les journaux catholiques de gens comme Jomard, etc., qui n'étaient pas du tout amis avec Champollion. Mais tout d'un coup, chacun se retrouve du côté des partisans de la religion catholique. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question en disant la stratégie, parce qu'après, il y a d'autres types de stratégies hein, qui va le mener. Indéniablement, son voyage en Égypte va jouer un rôle important. Hein, mais il faut quand même attendre. Hein, enfin, voilà, on le sait, ça. Hein, mais finalement, la reconnaissance institutionnelle de Champollion, elle est assez tardive. Finalement, et ça, c'est étonnant. Et on voit quand même que, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui a une... Enfin, voilà, c'est pas quelqu'un qui a une carrière, pourrait-on dire, rapide, fulgurante, comme pourraient l'avoir des jeunes... Si on prend, vous voyez, toute la génération de la physique nouvelle autour de Laplace, bon, des gens qu'on connaît, parce que, voilà, c'est tous les rues de Paris, c'est bio, c'est etc., sont des gens qui, en fait, sortent de Polytechnique à 18 ans, et à 20 ans, ils occupent des positions institutionnelles au Collège de France, partout, en fait. La place, les places, pourrait-on dire, dans les grandes institutions. Champollion, il a une carrière un peu d'homme, pas du 18e siècle, mais vous voyez, il a une carrière un petit peu parallèle, mais qui, bon, voilà, qui lui permet quand même d'accéder à des positions fortes, à des positions institutionnelles fortes. Merci beaucoup. On voit aussi un petit peu la distinction entre la position institutionnelle et le statut de figure publique qui dialogue, se nourrit, ne fonctionne pas nécessairement selon les mêmes rythmes et les mêmes logiques. Alors du coup, peut-être qu'on peut déplacer le débat vers Åkerblad et Vendriz et Chadwick. Alors tout le monde connaît Vendriz et Chadwick, Åkerblad peut-être moins en Europe occidentale. Est-ce qu'ils sont accédés aussi au statut de figure publique? Alors Åkerblad est connu pour sa modestie. Est-ce que ça devient une statue publique? Et Vendriz et Chadwick, qu'on connaît quand même relativement, est-ce qu'il y a aussi une publicisation de la découverte et l'émergence de figures savantes dans l'espace public? Alors peut-être, Flavia, tu... Oui, alors pour ce qui concerne Vendriz surtout, et puis Chadwick, bien évidemment, alors, à la suite. Alors, découvreurs du Donc, les déchiffreurs officiels du linéaire B, une écriture... crétoise et grecque de l'âge du bronze, notant du grec, donc on est en 1952, donc on est beaucoup plus proche de nous. C'est un déchiffrement moderne, en quelque sorte. J'y trouve beaucoup d'éléments, justement, dans ce que soit Christian Jacob que Jean-Luc Chappé viennent de dire par rapport à ces réseaux de savoir, à cette légitimation et à la disciplinarisation. Alors, bien évidemment, la question pour Vendriz et les linéaires B, son déchiffrement, tiennent d'une part au milieu savant, au milieu académique, et d'autre part aussi, en grande partie, à l'objet de ces déchiffrements. Une écriture qui apparaissait dans les formes de ces signes par la nature comptable et de la documentation comme très primitive, mais qui se révéla comme notant du grec. Donc, ce qui posa problème, effectivement, de tout de suite. Et puis, d'autre part, l'effet que Vendriz ne ressortait pas du milieu académique. Il s'est revendiqué toujours, il s'est dit toujours amateur. Et il a toujours été effrayé, on les voit très bien dans sa correspondance, par ces statuts de génie qui lui a été attribué à très jeune. Néanmoins, il a toujours fait référence à Champollion, forcément, c'est les déchiffreurs. Donc le mythe de Champollion est présent tout au long du déchiffrement du linéaire B, un long processus hein, qui voit Vendriz comme auteur, mais qui en réalité, peut-être on y reviendra après, est plutôt un déchiffrement collectif et distribué. C'est comme cela que je le définirais. Donc Champollion est très cité, c'est un point de repère, c'est une référence, c'est un but.
pour quiconque s'attaque à ces gribouillis, cette écriture, cette documentation crétoise, puis grecque continentale. Mais parmi les différentes citations, il y a une citation de Ventris, une lettre qu'il écrit à Maiers, donc les successeurs de Evans, en 1942, où il dit, en répondant à l'invitation de Maiers à se joindre à lui pour une nouvelle édition de la documentation, donc on est bien avant les déchiffrements, on est 10 ans avant les déchiffrements, il dit clairement, on ne peut pas penser que Champollion n'a jamais travaillé seul dans un coin. Donc, il faut faire équipe. Et donc, dans ces processus de légitimation et aussi d'opposition au statut autorial et de génie, Ventris travaillera tout au long du processus du déchiffrement à mettre en place ces collectifs des déchiffreurs, à travailler avec les autres, à divulguer, à transmettre, à faire circuler toute nouvelle découverte jusqu'à l'exploit final annoncé en juillet, le 1er juillet 1952, et sur lesquels, bien évidemment, Chadwick s'est greffé en travaillant lui aussi en tant que collaborateur avec Ventris. Donc voilà, cette tension entre génie et amateur, entre figure d'outsider à l'Académie, que Ventris a toujours découvert, il était un architecte, il était très jeune, il était architecte, il connaissait très bien les langues, mais il n'a jamais exercé en tant que philologue ou spécialiste. Et néanmoins, dès tout de suite, il a été reconnu en tant que grand spécialiste, donc appelé par Maiers à intervenir, à collaborer dans l'édition des documents, et puis en publiant les nouvelles, et puis en rassemblant tout savant qui pouvait concourir, collaborer, aider à percer donc ces mystères, cette énigme des tablettes. Et à la fois, bien évidemment, ces mêmes statuts d'amateur et des génies, donc heure et malheur du déchiffreur, moi j'en parlerai ainsi, comportent aussi des attaques très violentes, on y reviendra je pense, lors des controverses qui ont porté sur ces déchiffrements. Donc voilà, toute cette ambiguïté est également présente dans les années 50 à propos de ces déchiffrements. Et pour Åkerblad, figure publique ou pas du tout ? Bon, merci. Premièrement, je dois m'excuser pour mon français pas terrible pour commencer. Non, Åkerblad en Suède, il n'est pratiquement pas connu. Bah, il est légèrement plus connu après mon livre qui est sorti en suédois, finalement. Mais il faut résumer un tout petit peu sa carrière. Il n'était pas jamais institutionnalisé. Il était pratiquement un savant privé. Il a travaillé comme diplomatique suédois, surtout à Constantinople pendant les années 1780-90. Il est arrivé à Paris en 1797-18. Il est resté à Paris quelques années, vraiment les années-là de l'institutionnalisation. Il a connu tout le monde, évidemment. Il a bien travaillé à la Bibliothèque nationale. Et quand la pierre de Rosette, ou surtout le calque, enfin, parce que la pierre de Rosette, comme vous savez bien, elle est à Londres, elle n'a jamais été en France, hein. Mais les impressions faites à l'Institut du Caire sont arrivées à Paris après la première publication de Sylvestre de Sacy en 1802. On a donné ce calque à Åkerblad, et Åkerblad, c'était vraiment le premier personne qui a lu quelque chose sur la pierre de Rosette, en étant dire lu, pas seulement compris la valeur des mots. Il a publié son lettre à Sacy en 1802, et là, il a aussi publié une espèce d'alphabet égyptien, mais un alphabet qui est basé pas sur les hiéroglyphes, mais sur l'écriture moyenne, enfin, le chose que nous avons dit maintenant, le démotique, mais à cette époque-là, c'était l'égyptien. Et le fait ici, il faut quand même l'adresser, c'est la connaissance des langues, parce qu'Åkerblad, il était vraiment un polyglotte, il a su parler une vingtaine de langues,
écrit une trentaine de différents alphabets d'écriture. Et là, c'est très proche à l'expérience d'Éventrice. Je ne pense pas qu'Ockeblad, au début, s'était vraiment très intéressé à l'Égypte. Il était vraiment intéressé à la langue, à l'écriture. Et c'est la même truc, c'est la même chose qui, après, a commencé à faire intéresser Champollion au Égypte. Mais là, Ockeblad n'est pas tellement connu, mais il faut quand même, je pense, il faut quand même le nommer le plus important prédécesseur de Champollion. On va voir après ici, et ils sont des échanges. Ockeblad part de Paris et il doit rentrer en Suède. Il ne rentre pas, il va aller à Rome. Il est à Rome de 1806 à sa mort en 19. Et ça, c'est assez important. Il meurt avant le déchiffrement. Mais il y a une correspondance très intéressante entre Champollion et Ockeblad parce que quand Champollion commence à travailler, Champollion s'adresse à tout le monde. Il écrit à Ockeblad à Rome, il y a une correspondance, il y a même des citations ici, on peut le voir après. Mais je pense que dans la construction du génie de Champollion, tous les mois avant lui étaient écrasés pour des raisons très, très pratiques, très, très simples. Pour la construction du génie des héros nationaux, je ne suis pas français, hélas. Il faut dire que Champollion est devenu le chenille pratiquement pour Antomassie. C'est vraiment une de nos images de chenille. La question ici, c'était c'est Champollion, c'est un personnage de lumière ou un personnage romantique? Je pense que beaucoup de notre idée sur le chenille s'est basé vraiment sur le mythe de Champollion. Et là, ça devient très difficile à penser qu'il y a des prédécesseurs, que Champollion, c'est seulement la fin d'un travail intensif d'au moins 20-25 ans, mais peut-être même séculaire. Parce qu'il y a, évidemment, il y a comme M. Dussin veut nous dire après, Champollion et même pas Ockeblad, ils ne sont pas les premiers qui ont travaillé avec les hiéroglyphes et les écritures égyptiennes. Merci beaucoup. On va effectivement y revenir et aussi sur le geste du déchiffrement. Avant de conclure cette première section sur le moment Champollion, Christian, est-ce que je peux te demander, du point de vue de l'anthropologie historique des sciences et des savoirs, qu'est-ce que c'est cette figure du génie et puis de la pensée seule? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Cette figure du génie, c'est un petit peu le degré zéro, finalement, de l'explication historique. Ça relève d'une mythologie de la découverte, d'une mythologie du progrès des savoirs, avec une part d'irrationnel et de quelque chose qui, effectivement, ne s'explique pas. Alors, il est certain que des découvertes... Mais qu'est-ce qu'une découverte résulte avant tout d'un parcours personnel, d'un travail, de réseau et également de cet environnement que Jean-Luc Chappé a évoqué, cet environnement d'objets, de livres, de lieux de savoir qui constituent finalement des moyens de se déplacer, d'élargir un horizon à la fois dans l'espace et dans le temps, de remonter dans le passé très lointain, comme d'atteindre des régions très, très excentrées. Donc cette mythologie du découvreur, elle joue un rôle important dans l'histoire des sciences, dans une certaine histoire des sciences. Elle jalonne les découvertes. Et si on regarde par exemple les sciences antiques du monde grec, on a toute une série de noms de fondateurs qui ont été en quelque sorte soulignés par la tradition ultérieure. Qu'on pense à Thalès, Pythagore, Ptolémée, Ératosthène, Aristarque, Aristote, etc., etc. Donc des fondateurs, des génies, des figures tutélaires, des totems finalement d'une certaine
conception de l'évolution des savoirs. Alors peut-être que pour déconstruire cette figure qui est, enfin c'est la tâche à laquelle finalement on s'emploie dans cette table ronde, il convient de regarder concrètement comment cela se produit. Est-ce que c'est une illumination subite, une intuition fulgurante qui après tout peut survenir au terme d'une longue maturation intellectuelle? Nous connaissons tous à nos modestes niveaux, nous et nos étudiants, ces moments où une idée surgit, une intuition s'affirme, une piste de travail s'ouvre, et ça peut survenir aux moments les plus anodins, au cours d'un déplacement, d'un déjeuner, la nuit, en se réveillant en sursaut, etc. etc. Mais une autre voie d'interrogation consiste à regarder comment ces acteurs vont eux-mêmes évoquer, raconter, mettre en scène ce processus de découverte et d'une certaine façon construire leur propre persona. Donc j'ai regardé à titre de comparaison un petit peu le dossier d'Athanase Kircher dans son Œdipe égyptien, et il y a une construction de la persona du découvreur et du génie qui est absolument fantastique, enfin qui tient au travail de cette figure sur la construction de sa propre mythologie et sur ce statut du génie, enfin par le biais de textes autobiographiques, de préfaces, de correspondances, etc. Pour terminer sur ce point, je dirais aussi qu'une découverte suppose autre chose et d'autres acteurs que le découvreur. Dans mon propre parcours, j'ai rencontré parfois des personnes qui me disaient « je viens de faire une invention, une découverte absolument géniale, qui révolutionne complètement un champ de savoir ». Enfin, en l'occurrence, pour moi, c'était la géographie antique. Et donc, je me trouve face deux fois dans mon cheminement, face à des personnes qui me disent « j'ai découvert ce que personne n'a jamais pu prouver ». Alors une fois, j'étais pensionnaire à la BNF ici, quand j'étais tout jeune, et c'est quelqu'un qui me dit, voilà, en regardant les cartes topographiques de France, je me rends compte que tout un ensemble de toponymes se terminant par « ini » sont reliés par des distances qui sont des multiples de 3, 14, 116, et que donc ça nous renvoie très certainement à l'entreprise de géodésie, de cartographie menée par Jules César avec des arpenteurs pythagoriciens. Donc évidemment, j'ai regardé un petit peu, les chiffres étaient complètement fantaisistes et la théorie complètement saugrenue. Cette découverte n'a pas franchi le seuil des tentatives de cette personne pour l'imposer. Il a écrit à l'Académie des sciences, etc., etc., à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. À ma connaissance, ça n'a pas abouti. Une autre découverte, aussi il y a quelques années, un chercheur américain dit « j'ai la preuve absolue que les Carthaginois ont découvert l'Amérique ». Et donc, il exhibe une petite monnaie, toute petite, de quelques millimètres de diamètre, sur laquelle on voit très vaguement une forme imprimée, en disant « c'est une carte de l'Amérique, c'est la première carte de l'Amérique réalisée donc, au 5e siècle avant Jésus-Christ ». Donc cette personne fait un certain bruit dans les médias, dans les réseaux sociaux. Ça me parvient, je vais voir un collègue au département des médailles de la Bibliothèque de France, avec les photos, etc. Il me sort un tiroir entier de monnaie et il me dit « mais non, pas du tout, c'est des problèmes d'impression du métal. À un moment donné, ça crée des formes, c'est complètement aléatoire. Et c'est absolument impossible qu'au 5e siècle, les Carthaginois aient fait une carte de l'Amérique ». Donc voilà deux découvertes qui auraient pu révolutionner nos disciplines, la géographie ancienne, l'histoire ancienne, mais qui ne sont pas reprises, qui ne sont pas reprises par des relais, qui ne persuadent pas. Et donc une découverte, c'est non seulement une histoire de génie, mais c'est aussi une histoire de preuves, d'argumentation, de réseaux, de relais qui vont peu à peu la diffuser, l'imposer et créer un consensus dans une communauté qui peut être très très spécialisée ou au contraire beaucoup plus large sur une question et une avancée des savoirs. Donc toute l'histoire des sciences et des savoirs est partagée entre la mythologie du premier inventeur,
ce que les Grecs appellent le protos oretes, c'est-à-dire ces figures fondatrices qui permettent en même temps de dérouler une discipline, qui sont des points de départ, de même que Champollion est le point de départ d'une certaine égyptologie, et d'autre part, une démarche beaucoup plus sociologique et anthropologique qui n'exclut pas évidemment le coup de génie, mais explique aussi la construction et l'acceptation de la découverte par des procédures, des étapes, des dispositifs, des artefacts, des lettres, des textes, des communications, des publications, des conférences qui parviennent à convaincre un milieu spécialisé. On sait qu'il ne suffit pas d'avoir raison et d'avoir fait une découverte pour convaincre la société de son temps. Enfin, Galilée, Copernic en sont les preuves. Et qu'il y a donc quelque chose de relativement complexe qui se met en jeu à ces niveaux. Ben merci beaucoup. Je crois que c'est une excellente conclusion pour ce premier moment, le moment Champollion. Donc nous allons passer à notre deuxième moment pour une histoire connectée de Champollion, donc non plus les réseaux sociaux autour de Champollion, mais plus largement les réseaux internationaux. Oui, dans les derniers mots que nous venons d'échanger, on vient de dire que la construction du savoir de Champollion se fait par les milieux dans lesquels il se trouve, par les patrons qu'il réussit avec lesquels il réussit à connecter, mais la construction du savoir de Champollion, c'est aussi une histoire de transfert et de dialogue culturel qui remonte parfois même au temps hellénistique, et évidemment ces transferts culturels se font essentiellement d'abord grâce à un monument. Le déchiffrement, il faut en parler, vient d'un objet, la pierre de Rosette. Et peut-être on pourrait commencer par cela, Christian. La pierre de Rosette, elle-même en tant que document antique, est un objet connecté, un objet qui illustre les contacts entre Grecs égyptien au deuxième siècle avant notre ère. Oui, tout à fait. L'helléniste et l'historien du monde grec antique pourraient du reste réfléchir, enfin écrire une sorte d'histoire-fiction. Que se serait-il passé dans l'histoire de l'égyptologie occidentale si ce savoir sur la langue égyptienne et les hiéroglyphes qui existait à l'époque où cette stèle a été gravée, si ces savoirs ne s'étaient pas perdus, puisque cette stèle est finalement la preuve d'un milieu administratif, d'un milieu de prêtres, de hauts fonctionnaires du clergé égyptien, ayant un rôle politique très important dans le régime des souverains grecs, des Ptolémées, où on pouvait effectivement, enfin le fait de passer entre différentes écritures et la langue grecque et la langue égyptienne était constitutif finalement d'une culture partagée. Donc je trouve intéressant d'ailleurs l'ordre d'apparition des écritures hein, sur la pierre de Rosette, puisque les hiéroglyphes sont en haut et le grec est au milieu, hein, je crois, si je me... Non, c'est en bas. Ah, en bas, d'accord. Pardon. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et donc cette pierre, d'un point de vue... Du point de vue helléniste, évoque effectivement cette rencontre entre une puissance colonisatrice, une puissance qui a pris le relais de l'Empire perse, ce général d'Alexandre le Grand, Ptolémée Lagos, qui fonde donc cette dynastie, qui impose finalement une administration où les Grecs jouent un rôle très important, et dans cette capitale, cette ville nouvelle qui est Alexandrie. Et la pierre de Rosette évoque le rôle central, le rôle stratégique de ce haut clergé égyptien qui
transmet finalement aux Grecs et au pouvoir grec tout un ensemble de codes, de clés d'intelligibilité, de principes idéologiques pour imposer leur domination, en échange finalement d'avantages qui sont fiscaux et autres. Et donc il y a une véritable collaboration qui se met en place à travers cette pierre et ce décret, on en connaît d'autres, entre ce haut clergé égyptien et l'administration royale et le très jeune souverain Ptolémée à l'époque. Voilà, donc c'est cette pierre, du point de vue de l'historien du monde hellénistique, permet de poser tout un ensemble de questions sur les rapports entre Memphis et Alexandrie, entre le clergé égyptien et l'administration grecque, et sur la construction d'une culture partagée qui mériterait d'être davantage exploré, parce que moi en tant qu'helléniste, je suis dépendant de sources grecques et les sources contemporaines à Alexandrie, les sources grecques contemporaines de la pierre de Rosette et plus généralement du régime des Ptolémées laissent penser que, je ne sais pas, les gens du musée d'Alexandrie, de la bibliothèque d'Alexandrie, finalement ne s'intéressaient que de très très loin, voire très très peu, à la culture égyptienne proprement dite, à la langue égyptienne, aux textes égyptiens et autres. On a des textes évidemment, mais par exemple Manéthon, c'est un prêtre égyptien qui fait l'effort de traduire en grec et qui va servir de base à toute l'historiographie ultérieure de l'Égypte. Donc il y a là quelque chose qui est vraiment intéressant, mais qu'il faudrait sans doute compléter par le point de vue des égyptologues, parce que il est certain qu'il y a des Égyptiens qui apprennent le grec, il y a des Égyptiens qui transmettent aussi des savoirs aux Grecs, notamment dans le cas de la médecine, je crois que c'est prouvé, et on pourrait souhaiter, enfin je sais qu'il y a des collègues qui ont cette chance, on pourrait souhaiter qu'à l'avenir, il y ait peut-être davantage de jeunes historiens qui maîtrisent à la fois toutes les clés de cette culture égyptienne et qui aient accès aussi aux sources grecques pour essayer d'établir des connexions. Merci beaucoup. Alors, tu as parlé d'impérialisme. Alors, l'impérialisme grec, la pierre de Rosette est souvent lue comme aussi le résultat de l'impérialisme et de la campagne napoléonienne et d'une geste militaire. Vous avez ici d'une compétition entre les Français et les Anglais. Vous voyez ici l'inscription qui est en dessous de la pierre de Rosette, qu'on ne voit plus au British Museum, hein, « Captured in Egypt by the army ou by the British ».« By the British oh. ». Mais sans parler d'impérialisme, ce déchiffrement... s'inscrit dans des contacts transnationaux. On sait que Champollion parlait le copte, voulait penser copte, penser égyptien, hein, qui était la langue, le dernier état de la langue égyptienne telle qu'elle était écrite sur la pierre de Rosette. Je crois que... Frédéric Thomasson peut nous donner quelques idées du rôle que peut jouer les contacts culturels entre l'Orient et l'Occident à l'époque de Champollion, dans cette problématique du déchiffrement, qui n'est pas uniquement un geste français ou européen. Oui, c'est ça. Il faut même commencer que moi, encore une fois, n'étant pas français, j'ai toujours trouvé très curieux l'idée de l'expédition de l'Égypte. Hein. Moi, dans les autres langues, on le dit l'invasion de l'Égypte. Hein. Les scientifiques ont été autour de 200, les soldats 35, 34, 35 000. Hein. Je pense qu'il faut quand même vraiment focaliser l'invasion de l'Égypte comme une des premières pas du colonialisme européen dans l'Afrique, dans l'Orient. Hein. Mais comme nous savons tout, enfin, tous nous que nous avons étudié un peu l'histoire des déchiffrements, que la connaissance... Encore une fois, la connaissance de langue, c'était vraiment peut-être la chose plus importante. Et pour prendre l'exemple du Åkerblad, vous voyez là, en bas du diapo, ces voyages,
sont les voyages dans l'Orient de Åkerblad pendant les années 1780-90. Il était le seul entre toutes les personnes qui sont étaient dans le déchiffrement, Thomas Young, Champollion, Åkerblad, enfin tout ce monde, il était la seule personne qui a visité l'Égypte avant 1822. Et il avait déjà commencé avec le copte en Égypte dans les années 90 du 18e siècle. Mais comme vous savez, ils ne sont pas seulement les objets qui ont été ramenés en Europe. Aussi, des personnes sont venues de l'Égypte en Europe. Et on connaît plusieurs prêtres qui sont allés en France avec les Français quand une fois les Français ont été libérés. Et vous voyez une petite vue du palais royal là en haut. Peut-être vous ne le savez pas, mais il y a par exemple une livre très importante d'un certain savant australien qui s'appelle Arabs in France, Arabes en France. Il raconte toutes ces histoires des Orientaux, surtout des Arabes qui sont venus en France déjà au fin du 18e, au début du 19e siècle. Là, par exemple, dans ce tout petit vue du Palais Royal, on peut voir, il y a, c'est difficile à savoir, peut-être des Turcs. On peut voir le turban là, à côté gauche. Et en haut, c'est un petit dessin vraiment du main du Åkerblad. Et c'est son enseignant de chez, c'est Amarinia, enfin la langue éthiopien. En Rome, parce que Åkerblad a vécu en Rome, et évidemment en Rome, on a eu beaucoup de dons de l'Église de l'Orient. Et c'est la même chose à Paris. Champollion a bien étudié le copte avec un prêtre égyptien. Et nous avons un peu oublié cette histoire qu'il y a déjà au début, avant le déchiffrement, il y a une espèce de coopération entre l'Occident et l'Orient. C'est très, comment ça dit ça en français ? Schématique. Caricatural. Oui, Pardon ? Caricatural. Oui, oui. Schématique. Mélangé avec le colonialisme, mais quand même. Oui. Et vous connaissez surtout le livre d'Edward Said, l'orientalisme, là. Il raconte assez bien cette histoire. C'est un livre très compliqué. Et maintenant, je pense qu'il est déjà sorti depuis presque 50 ans. Maintenant, il est sorti en 78. Mais il y a toujours des éléments dans ce livre qui sont importants. Il parle beaucoup, par exemple, du Sylvestre de Sacy, qui est une des antagonistes plus importants de Champollion, enseigneur d'arabe à l'école de langue orientale, etc., etc. Mais il faut toujours penser Paris au début du 19e siècle comme un endroit d'échange et aussi comme un endroit d'échange de saveur linguistique. Je pense qu'on ne peut pas penser le déchiffrement sans penser, par exemple, de l'apprentissage du copte, qui était vraiment essentiel pour le déchiffrement. Oui, merci beaucoup. Donc là, on voit qu'il y a une contribution orientale à ce déchiffrement, à Paris même, en Europe même. Je crois que Jean-Luc Chappet voulait ajouter quelque chose. Comme on avait dit qu'on pouvait rebondir, je remercie Frédéric de rappeler donc l'ouvrage, c'est de Yann Koller. Oui, c'est ça. Qui a été traduit en français, La France arabe. Et en fait, depuis quelques années, en fait, on s'intéresse, Christian Jacob le rappelait, aux petites mains. C'est-à-dire que c'est sûr que quand on pense la présence un peu de l'Égypte à Paris, on pense à Volney, on pense à des grands comme ça. Et en fait, ce que les différents chercheurs ont montré là depuis quelques années, c'est-à-dire en travaillant en particulier sur le personnel des traducteurs qui étaient liés à l'école autour des professeurs, il y avait beaucoup. Alors Lucette Valenti avait repéré quelqu'un, un Tunisien, mais il y avait énormément comme ça. Alors énormément, des dizaines de personnes, très souvent qui venaient d'Égypte, du Maroc, etc., du Maghreb en gros, de cette région-là, et qui travaillaient en fait, et qui très souvent avaient des échanges avec tout un ensemble, alors qui n'étaient pas dans des positions. En fait, on arrive à travailler sur eux parce que, étant dans des positions souvent sociales très fragiles, ils ne cessent d'écrire à l'administration pour demander des pensions.
Donc on les connaît un petit peu. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais. Il y a une grande communauté, on va dire, arabe, en particulier égyptienne, à Marseille, qui ont joué un rôle important, en particulier dans toute une réflexion sur l'urbanisme de Marseille, proposant des transformations. Donc voilà, ce sont des communautés qui sont restées invisibles dans l'historiographie, parce que c'est vrai qu'on a focalisé sur des grandes figures, mais qui ont joué un rôle comme ça d'intermédiaire très important entre les milieux souvent professionnels, les milieux scientifiques. Et c'est vrai qu'indéniablement, quelqu'un comme Champollion a pu peut-être profiter de ces échanges. Ah bah de fait, il a appris le copte, il cherchait désespérément à avoir des locuteurs, et il apprend le copte avec un moine copte égyptien, et on voit donc, oui, ces figures de passeurs entre une culture dont eux procèdent directement et ces figures savantes françaises et européennes. Alors je pense qu'on arrive au terme de notre deuxième moment, si personne n'a rien à ajouter. Donc je vous invite à prendre un café. On va se retrouver à 11h15. Voilà. Merci. Merci. Mais
Jusqu'à quel point ils l'ont fait, mais ça n'a pas été reconnu. Et pourquoi sans. Pourquoi on peut dire que sans. Non, moi je pense que. Enfin, le truc du champignon, c'est très simple. Il a bien travaillé, il a continué à travailler, à la fin, il est arrivé à la solution. Non voilà. Oui. Parce qu'il y avait des gens qui avaient travaillé avant. Oui, oui, c'est ça. C'est un processus scientifique et complètement normal. Et dans la construction du génie, bah forcément. Oui. Je pense toujours que même, c'est bien que Jean-Luc l'a dit, parce que j'ai toujours pensé que les difficultés politiques du champignon fait vraiment part du mythe. Il était quand même un peu fini.
pas trop les pieds avec les pieds pleins de boulot. Non, non, ça va. Il y a des gens qui supportent pas. Non, ça va. Ça passe le téléphone chez vous? Ça dépend des moments. Ouais. Ouais, il y a des moments, j'ai le réseau. Il faut aller dans le hall pour que ça prenne pas le bien.
temps, Christian Jacob, on va reprendre. Reprenons notre table ronde. Nous avons tenté jusqu'à présent de contextualiser la construction des savoirs de Champollion dans son époque, cette époque particulière du tournant du 19e siècle. Mais nous allons passer peut-être maintenant à ce qu'a fait Champollion, ce geste du déchiffrement. Et simplement quelques petites remarques, rappeler que 1822 est une date restée célèbre, mais qu'elle ne constitue pas à elle seule le processus du déchiffrement qui se déroula jusqu'à sa mort en 1832. Néanmoins, dans ces 10 années, on peut quand même être surpris des progrès que fit Champollion dans la compréhension du fonctionnement d'un côté de l'écriture égyptienne et en même temps de la langue que cette écriture véhiculait. Bien sûr, Champollion s'est fondé sur des avancées antérieures et nous reviendrons là-dessus à Ekerblad et Jung. Sur les travaux qui fit. Mais peut-être pour commencer, une première question, Christian, sur dans ta double casquette de spécialiste de l'anthropologie des savoirs et d'helléniste. Donc d'un côté, qu'est-ce que au fond traduire, qu'est-ce que déchiffrer du point de vue de l'anthropologie des savoirs, et en même temps pour les Grecs. Quelle antique, évidemment, quels sont les savoirs des hiéroglyphes qui existaient à cette époque, ou en tout cas, quelles traces nous en avons gardées? Oui, ce sont de vastes questions. La traduction est une opération effectivement intéressante et importante et très, très complexe qui recouvre, je crois, des pratiques, des artefacts, des livrables, entre guillemets, très, 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 très différents. On peut traduire littéralement, on peut traduire en réécrivant, en paraphrasant, en amplifiant. On peut traduire en complétant les lacunes d'un texte. Et en tout cas, toujours en le faisant passer d'un univers linguistique, syntaxique, morphologique et sémantique à un autre. Donc dans ce processus, y a toujours des gains, des pertes, des déplacements, c'est-à-dire une traduction par définition n'est jamais finie, jamais définitive, et déplace considérablement les contenus d'un texte. Donc puisqu'on réfléchit sur le déchiffrement des hiéroglyphes, il me vient à l'esprit le cas d'Athanas Kircher qui, par le terme de traduction, entend non pas simplement une traduction linguistique, mais une sorte d'expansion discursive herméneutique qui, à partir de 2-3 hiéroglyphes, peut générer 4-5-6 pages de texte. C'est-à-dire c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Est-ce qu'il traduit réellement, ou est-ce que ce déchiffrement échappe précisément à une logique de correspondance et d'équivalence pour demander une plongée dans les arcanes du sens caché et finalement un travail d'explicitation qui, de notre point de vue aujourd'hui, est très largement de l'ordre de la fiction ou d'un labyrinthe érudit et ésotérique puisant à de multiples traditions. Donc les hiéroglyphes pour les Grecs anciens font partie finalement du mirage égyptien, font partie de cette fascination qu'ils ont ressentie pour cette,
pour cette culture respectée, ancienne, qui est le lieu d'origine de tous les savoirs pour eux, puisque un certain nombre de philosophes et de savants ont fait le voyage vers l'Égypte. Et on se souvient tous de ce beau texte chez Hérodote qui évoque son prédécesseur Hécatène Milet rencontrant des prêtres en Égypte. Le grec se vante des généalogies mythiques et de la profondeur historique du monde grec. Et les Égyptiens lui montrent des rangées infinies de statues en disant ben, « notre mémoire remonte à la nuit des temps ». Enfin, c'est moi qui interprète comme ça. Et vous, les Grecs, vous êtes de tout petits enfants à côté de nous. Donc les hiéroglyphes égyptiens, évidemment, ne sont pas, leur sens n'est pas connu des Grecs à l'époque. Il y a sans doute eu une occasion manquée lors de la période alexandrine. Enfin, on pourrait réécrire l'histoire en imaginant effectivement que les savants grecs du musée apprennent la langue et l'écriture égyptienne, qu'il y ait des traductions de l'égyptien, comme ce qui a pu se faire par exemple avec le Pentateuque de la tradition juive. Et du reste, effectivement, la traduction de la Torah constitue un objet incomparable, extrêmement intéressant, puisque les recherches récentes montrent comment le passage de l'hébreu au grec a impliqué non seulement un gros travail linguistique, mais également un travail conceptuel très, très important pour trouver des équivalences faisant sens pour des lecteurs hellénisés. Alors sur les hiéroglyphes, je crois que la Grèce et le monde romain sont finalement les points de départ de toute une tradition qui va irriguer le monde européen occidental et qui associe cette écriture à des mystères, à des secrets, à une théologie, à des sagesses cachées et qui vont se développer par exemple dans le corpus attribué à Hermès Trismégiste durant les premiers siècles de notre ère, corpus qui jouera un rôle si important par la suite par exemple avec Athanase Kircher. Et ces sources grecques, depuis Hérodote jusqu'à Diodore de Sicile, et avec les fragments de Manéthon, les néoplatoniciens, Jamblique, le corpus hermétique, etc., vont jouer un rôle précisément de socle, de référence, et imposer peut-être un paradigme de perception et de lecture et d'interprétation des hiéroglyphes jusqu'à ce que Champollion, après d'autres et avec d'autres, propose finalement un déchiffrement sur des bases purement linguistiques. Donc, merci. Cette généalogie des savoirs qui passe des Grecs, ce questionnement d'Hérodote, qui va voir les prêtres qui sont des passeurs entre les cultures, qui donne naissance à cette curiosité foisonnante de la Renaissance dont tu viens de parler. Et je me tourne peut-être maintenant, changeons de culture, et est-ce que cette curiosité égyptologique, égyptomanique, se retrouve également dans les savants de l'époque médiévale, eux qui étaient en contact avec la matérialité des monuments. Quelles sont les traces de savoir ou d'intérêt portés par les savants médiévaux sur les hiéroglyphes, Jean-Charles Dussène? Merci de cette large et vaste question, et dans la réponse que j'apporterai, je mentionnerai des noms
qui ont déjà été cités il y a un instant par Christian Jacob, parce qu'il y a effectivement une certaine continuité égyptienne, comme nous allons le voir. Pour les savants arabes du Moyen-Âge, qui côtoient tous les jours les monuments égyptiens, ne serait-ce que les pyramides, ou qui voient les textes ou les figures hiéroglyphiques qu'ils interprètent, comme nous allons le voir, il y a, je dirais, un défi intellectuel tout d'abord, et un défi religieux, surtout, peut-être, d'abord, car les antiquités égyptiennes sont connues, mais par l'intermédiaire du texte coranique. Et donc, l'Égypte islamique, c'est l'Égypte du Pharaon, de Pharaon, comme c'est un nom propre dans le Coran. C'est le Pharaon de Moïse, c'est le Pharaon de Joseph. Donc, l'image du souverain, certes puissant, mais orgueilleux et obtus par rapport à la révélation. Et donc, il y aurait un a priori négatif. Mais néanmoins, la monumentalité des antiquités manifestement témoigne d'une force, d'un état puissant et de science sans doute importante, mais science dont les Égyptiens du Moyen-Âge n'ont pas connaissance. Et donc c'est dans ce dilemme d'un intérêt certain, mais par ailleurs intérêt pour une matière qui est peut-être à oublier ou à abhorrer, puisque la révélation a changé de paradigme et donne une vérité et un sens à l'histoire qui suffit à lui-même. C'est dans cette dualité que nos auteurs vont néanmoins s'intéresser à partir du XIIe siècle, avant c'est moins vrai, mais sans doute avons-nous moins de textes, à ces réalités antiques, et d'une manière qui, à partir du XIIe siècle, sera, je ne dirais pas objective, mais en tout cas beaucoup plus profane. Par rapport aux hiéroglyphes, et nous parlerons sans doute tout à l'heure des freins qui ont été ceux de leur non-déchiffrement, ou des paradigmes que nos observateurs ont pu avoir par rapport à la langue, ou à l'écriture. Indépendamment de cela, l'aspect figuratif des hiéroglyphes poussera nos observateurs à les considérer comme étant un langage symbolique, mais manifestement un langage symbolique porteur d'une science certaine, puisque les monuments qui les portent sont grandioses, d'une part. Mais en outre, ce langage symbolique va se dédoubler chez certains d'un sens hermétique, justement, d'un sens ésotérique, parce que Hermès Trismégiste est donc trois fois grand, certes, mais il est aussi en partie le descendant de Thoth, le descendant de l'Hermès grec, et aussi, n'oublions pas, dans la tradition judéo-chrétienne, ou plutôt judéo-arabe, il assimile également la figure de Enoch, Enoch Idris, donc un prophète ou pseudo-prophète vétérotestamentaire. De sorte que Hermès, il a néanmoins bonne presse. Et cette association entre Hermès et les hiéroglyphes, elle est proprement égyptienne. On la retrouve d'abord dans un traité de la bibliothèque copte de Nag Hammadi. Donc on est là au IIe siècle après Jésus-Christ, en Égypte justement. Et ce sens hermétique, ésotérique des hiéroglyphes sera hérité, acquis et développé, on verra dans un temps pourquoi. Ensuite, il y aura également un sens plus particulier parmi ces savoirs ésotériques, celui de l'alchimie. Et là aussi, on a un grec byzantin, si on veut, Zosime de Panapolis. Et Panapolis, c'est Armim aujourd'hui. Et ce site de Armim possédait un temple important qui était encore visible jusqu'au XIVe siècle. Et Zosime de Panapolis, alchimiste de son état, considérait justement les hiéroglyphes, en tout cas l'ornementation des temples, comme étant quelque part porteurs de ce savoir ancien qu'il fallait, peut-être pas déchiffrer, en tout cas qu'il fallait élucider, quitte parfois à projeter un sens bien particulier sur ces figures qui avaient manifestement un sens obvis, un sens que vous pouvez directement percevoir. Et quatrième élément qui aidera à la prise en considération des hiéroglyphes ou à l'intérêt des hiéroglyphes, c'est une forme que vous connaissez sans doute d'une spiritualité musulmane, c'est la pensée soufie.
La pensée soufie, elle se développe par métaphore, par association d'images, et n'est pas forcément narrative. Or, il s'avère que le premier soufi égyptien, personnage semi-légendaire, semi-historique, Zulnoun, avait justement élu domicile dans le temple d'Irmim. On a là sans doute une conjonction qui n'est pas due au hasard et qui est peut-être due aux étoiles, ça je n'en sais rien. Mais donc, ce quadruple héritage dans l'Égypte médiévale fera que nos observateurs auront un intérêt réel pour les hiéroglyphes, mais qui quasiment uniquement seront interprétés comme étant porteurs d'un sens magique ou d'un sens ésotérique, à tout le moins. Donc, dans ce contexte, nous avons ce contexte où vous avez évoqué ces défis religieux, d'ailleurs, que l'on retrouvait au tout début de cette table ronde aussi, avec les ultras, mais peut-être dans deux points de vue différents. Mais à ce propos, permettez-moi d'ajouter un élément auquel le zodiaque de Dendera, ou la controverse autour du zodiaque de Dendera, m'a fait penser tout à l'heure. Vous connaissez, vous qui êtes égyptologue ou intéressé par l'Égypte, le symbole du disque ailé que l'on voit sur les linteaux couramment. Les observateurs médiévaux l'avaient remarqué, mais pour eux, ils l'ont interprété comme étant la date, le cryptogramme qui donnait la date de fondation de ces temples et des pyramides. Et donc, ils ont considéré que le disque ailé, c'était l'étoile Altaïr qui rentrait dans le signe du cancer. À leur époque, ce sont des auteurs du XIIIe siècle, on est à l'époque mamelouk. Altaïr se trouve dans le Capricorne. Ils vont donc compter à l'envers pour savoir quand était Altaïr dans le cancer. Mais là, malheureusement, ça les fait arriver 20 000 ans avant leur époque, ça veut dire bien avant la date acceptée du déluge. Et là, ils ont un dilemme qui ne tranche pas. Ils laissent la question ouverte, mais ils disent bien que les calculs astronomiques qui font foi aboutissent à une date de fondation bien antérieure au déluge. Alors, autant ne pas trancher, et peut-être que dans l'Égypte du XIIe siècle et du XIIIe siècle, il ne fallait pas trancher de manière trop évidente, laissons la question ouverte. Mais donc, je dirais qu'on aurait tort de considérer que ces observateurs anciens étaient trop guidés par une seule forme de pensée. Ils avaient parfois aussi des questionnements ou des résultats qui aboutissaient à des questionnements plus fondamentaux par rapport à leur paradigme. Et du coup, cet intérêt de la civilisation égyptienne médiévale pour l'Antiquité, est-ce qu'il se porte de manière égale pour les monuments et les inscriptions, ou est-ce qu'il y a, parce qu'on a d'un côté ces descriptions de pyramides, toute cette question de à quoi servait la pyramide, mais parce que clairement quand on voit Champollion et à partir de lui, il y a quand même un primat du texte qui compte. Ce qu'on s'intéresse, c'est certes, Champollion lui-même a fait une lettre à Mohamed Ali pour dire il faut protéger des monuments, mais c'est il faut protéger des monuments parce qu'on les a pas copiés. Au fond, et d'ailleurs quand on regarde les croquis de Champollion, il y a une claire volonté d'aller copier les cartouches, etc. Est-ce que dans le monde médiéval, on a aussi une dichotomie entre le monument et l'écriture qui est gravée dessus? Est-ce qu'il y a un primat du monument ou un primat justement de l'écriture hermétique dont vous parliez? Cela évoluera avec le temps. Les premiers textes que nous avons, ce sont des textes du Xe siècle, bien souvent mettent en scène des Arabes qui vont chercher un vieux moine copte pour leur déchiffrer une inscription. Et nous parlerons peut-être tout à l'heure du copte, mais il faut savoir que c'est une figure, parce que bien souvent, le sens que le moine copte donne à l'inscription est un sens moral, parénétique, propre à la mentalité du 9e ou 10e siècle. A priori, il y a un intérêt pour l'écriture, mais qui, avec le poids que nos observateurs donneront à la pensée magique, va se restreindre uniquement à des corpus talismaniques ou des
corpus magique. Et les deux illustrations que vous avez à l'écran, donc à la droite de l'image, sont justement des copies médiévales arabes de hiéroglyphes, et d'un cartouche d'ailleurs, mais dans des textes, dans des recueils qui se veulent être des recueils magiques. En revanche, à partir du XIIe siècle, il y a, par rapport aux monuments, un intérêt certain, parce que ces monuments étaient parfois considérés comme, par les autorités comme étant des carrières utiles, soit, ou bien comme étant des réserves de pierres pour les fours à chaux. Et là, on a une série d'auteurs, Jamaluddin al-Idrissi, Abdel Latif al-Bardadi, Al-Araoui, qui étaient égyptiens ou pas, qui écrivent pour justement critiquer les gens qui iraient abîmer, détruire ces monuments-là, parce que manifestement, mais nous sommes là, une période un peu plus tardive, hein, 12e, 13e, il y aurait l'émergence d'un sentiment régionaliste, parce que les voyageurs voient bien qu'en dehors de l'Égypte, ces monuments n'existent pas. Et par ailleurs, ils ont un esthétisme particulier et ils sont, notamment pour Dénaos, etc., nos observateurs éblouis par la perfection de la construction. Et donc, ils considèrent qu'il faut les préserver parce que cela témoigne d'une maîtrise technique que les Égyptiens, nos ancêtres anciens, possédaient. Et qu'il serait malheureux que les autorités aillent les détruire. Deux des petites pyramides du plateau de Gizeh ont été en partie démontées lorsque Saladin a dû construire la citadelle du Caire. De même, lorsqu'il a donné l'ordre de construire la muraille autour de Fostat, du Caire et du Caire, bien Karakouche, le général qui a eu cela à faire, est allé chercher les blocs directement du parement de ces petites pyramides. On a des observateurs de l'époque qui critiquent cet abus de pouvoir par rapport à ces monuments anciens importants. Merci. Je rebondis sur ce que tu disais, Félix, sur Champollion et l'obsession du texte. Bon, on sait que Champollion a une sensibilité très, très, très développée, hein. Il a ce projet de montrer la primauté de l'art égyptien sur l'art grec. Mais c'est vrai que là, on retrouve la figure du déchiffreur qui a besoin d'un corpus. Si on parlait comme des informaticiens, on dirait ce qui part en Égypte avant tout pour vérifier son système et rassembler un jeu de données suffisant pour construire une grammaire. Donc, oui, en effet. Et donc, ces différents savoirs, là, Jean-Charles Dussen, dont vous nous parliez, évidemment, tout change avec Champollion, par quand même le fait de proposer un déchiffrement 1822 se fondant essentiellement sur les processus sur le sens phonologique, sur l'identification des cartouches étrangers avec Cléopâtre et Ptolémée, qui est affiné en 1824 avec le précis, et vous le connaissez tous dans la salle, où on en a parlé suffisamment ces derniers jours, le fait qu'un signe hiéroglyphique puisse être utilisé de différentes formes, transmettre une idée, transmettre un son, transmettre un mot en même temps. Toutefois, si Champollion en arrive là, il n'y arrive peut-être pas lui tout seul, et il y arrive sûrement parce que d'autres personnes ont déjà travaillé sur ces questions. Évidemment, Åkerblad est le premier à avoir reconnu plusieurs signes phonétiques dans le démotique de la pierre de Rosette. Et donc, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur cette course au déchiffrement qui se passe autour de la pierre de Rosette à travers, donc, par exemple, Åkerblad, qui est un des premiers Oui, comme je disais avant, pratiquement, on a rapproché Åkerblad à Paris en 1802 par ses connaissances du copte. Et là, il a commencé à travailler avec l'égyptien, enfin avec le démotique. Et là, on n'a pas encore établi un nom. Par exemple, dans l'article de Thomas Young, il le dit « incorial ». Il y a plusieurs noms pour cette écriture que nous avons maintenant comme mot commun. Démotique, quelquefois hiératique. Åkerblad commence à travailler avec cette écriture moyenne du Pierre de Rosette. Et le grand faute, enfin,
Le faux principal d'Ockerblad est-ce qu'il pense que c'est phonétique, c'est un texte complètement phonétique. Et là, il arrive à établir une espèce d'alphabet, mais le problème de démotique, c'est une langue qui a à peu près 300 signes. Et nous avons les alphabets, l'alphabet que nous avons maintenant moderne, qui a plus de signes, a 60 signes. Et le problème est que Ockerblad ne réussit pas à comprendre tous les signes. Mais il a trouvé 30 lettres, 30 signes phonétiques. Et dans son première publication, il établit une espèce d'alphabet égyptien. Et entre ces... Oui. Non, non, continue. Enfin, oui. Est-ce que, justement, tu pourrais nous présenter Ockerblad et nous le présenter un petit peu dans cette constellation de traducteurs, de déchiffreurs qui précède Champollion, nous en dire oui. Un peu plus, parce que je pense que le public n'est pas okay. Aussi familier. Pratiquement, quand le calque, quand ces impressions de la pierre du Rosette sont arrivées à Paris, évidemment, il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu y accéder. On a seulement eu 3 copies. Et la première qui a cherché de travailler avec la partie moyenne, avec les démotiques, c'était Antoine Isaac Sylvestre de Sacy. Il a publié un petit texte, toujours en 1802, mais il n'a pas réussi à rien comprendre pratiquement. Vous savez que le texte est divisé en 3 parties, c'est hiéroglyphe, démotique et grec. Ce qui a fait, c'est Sacy, il a trouvé, parce qu'on connaît le grec, comme ça on a pu voir le nom du roi, de reine, ça, le nom de personne, et Sacy a pu individuer le signe de ces noms, Alexandre, Ptolémée, Arsénois, etc. Mais il n'a pas lu. Il a seulement pu voir où sont écrits. Et la chose qu'a fait Ockerblad, par contre, est-ce qu'il a lu? Parce que le nom sont construits par des signes phonétiques. Et ça, c'était son grande intuition. Et je répète, le problème d'Ockerblad, est-ce qu'il a pensé que le démotique était seulement phonétique, mais le démotique est exactement comme les hiéroglyphes, c'est une espèce de mélange entre les signes logographiques et phonétiques. Et là, son publication est sortie en 1802, et après lui, pratiquement rien. On a eu plusieurs publications de personnes qu'on ne connaît même pas le nom maintenant, mais jusqu'à les premières publications de Champollion dans les années 10, et personne n'a pu avancer le travail de Ockerblad. Et ici, nous avons 2 citations de Champollion. La première chose qu'il a fait quand il a commencé à travailler avec le texte de démotique, est-ce qu'il a écrit à Ockerblad à Rome. Mais ça, ce ne sont pas les lettres à Ockerblad, mais ce sont des lettres que Champollion a écrites à son collègue, un collègue qui est après devenu même lui orientaliste, Jean-Antoine Saint-Martin. Je ne vais pas le lire, mais pratiquement, c'est une espèce d'espionnage linguistique. Champollion a cherché du savoir de ses collègues, qu'est-ce qu'il fait Ockerblad à Rome. Et comme vous pouvez voir là, c'est... voici maintenant une affaire de police. Je compte assez sur votre amitié pour ne pas craindre de vous proposer de faire le métier d'espion. Et Champollion est même connu pour ça, et connu pour sa, enfin, je ne vais pas dire arrogance, mais il n'était pas complètement ouvert avec ce concurrent. Et quelques années plus tard, il a avancé, il écrit autrefois à Saint-Martin, « Cette idée s'opposera toujours à la réussite du travail d'Ockerblad et de ceux qui suivront ses errements. Je me suis bien gardé de lui signaler la source de son impuissance. » Et là, on entre vraiment dans la rivalité scientifique, etc. Mais Ockerblad est à Rome. On a la guerre napoléenne. Pratiquement, la poste ne fonctionne pas. L'échange scientifique s'est complètement coupé. Et comme je disais avant, Ockerblad meurt en 19 sans avoir
ni avancé, mais son travail n'était même pas reconnu par Jean Pollion. Et vous disiez qu'il était à Rome. Comment il a accès aux estampages de la pierre de Rosette? Bon, pour rappel, vous vous souvenez, la pierre de Rosette est quand même un trésor de guerre. C'est le butin de cette pierre dont on a déjà parlé, découverte dans un fort à Rosette, Rachid, qui était une des grandes prises de l'expédition, qui, au moment de la capitulation française, est évidemment prise comme trésor de guerre au British Museum, on l'a déjà rappelé. Mais ce qui va circuler en France, au même moment, ce seront les estampages de du texte lui-même. Donc là... Non, il faut quand même rappeler que Champollion n'a sûrement jamais vu la pierre de Rosette elle-même comme monument, et qu'il a travaillé que sur des estampages, les mêmes estampages auxquels avait accès à Körblad. Mais les premiers travaux du Sacy et Körblad sont faits avec ces estampes très mauvaises qui sont faites au Caire. Mais déjà en 1803-4, les Anglais commencent à publier des copies meilleures. Mais on a la guerre, ils ne sont pas vraiment communiqués. Et Åkerblad à Rome, il écrit à une diplomate suédoise, une vieille collègue, à Londres pour avoir la nouvelle copie qui était publié pour la Society of Antiquaries, pour la Société des Antiquaires à Londres, où les pierres étaient jusqu'à les années 20, parce que maintenant, on pense que la pierre était toujours à British Museum. Non, elle était dans une société du savon à Londres avant de rentrer dans la collection du musée. Et Åkerblad a travaillé pendant les années 1810 avec ce copier-là, mais on sait qu'on a eu beaucoup de problèmes de lecture vraiment sur les pierres. Et Champollion lui-même a écrit à Thomas Young, une de ses concurrents anglais, il a écrit à Thomas Young pour lui demander s'il pouvait contrôler certains mots sur la pierre, parce qu'il ne comprend pas vraiment qu'est-ce que c'est écrit sur la copie. Hein. Oui, on oublie ça aussi. Hein. On voit la pierre comme prise de guerre auquel on n'a pas accès, mais il y a une véritable compétition pour l'accès aux copies qui sont rares, et il y a une véritable volonté au départ de ne pas diffuser ces copies, parce que bon, il y a l'appropriation matérielle de la pierre, comme dirait Bénédicte Savoie, mais il y a aussi l'appropriation intellectuelle. Les Français ont perdu la pierre, mais ils entendent bien garder la primauté, la propriété intellectuelle sur cette pierre, et ces copies ne circulent pas. Donc il faut mettre en jeu tous ces réseaux, tous ces contacts pour essayer d'avoir accès. Et on a des lettres aussi de Champollion à son frère qui lui dit « Mais procure-moi une copie, trouve-moi une copie ». Non, mais c'est vraiment seulement en 1815, après la paix, que les échanges internationaux commencent à reprendre. Avant ça, on n'a pratiquement pas eu de communication, on n'a pratiquement pas eu du système postal en Europe. C'était complètement coupé pendant la guerre. Mais il y a aussi une volonté politique de ne pas communiquer les copies. Oui. D'autant plus que nous sommes à un moment de compétition. Il y a quand même Young qui, au même moment que Champollion, est en train de travailler sur le déchiffrement avec une technique ou une approche complètement différente. Hein, vous avez ici une image de la grande publication de Young en 1818. Donc vous voyez, on est quelques années avant 1822, et Young a une approche complètement différente. C'est un mathématicien qui, lui, aligne des propositions de textes les unes après les autres, en partant du texte grec et en disant, bah voilà, le nombre de signes, la récurrence de différents signes qu'on peut retrouver, et proposer, comme ici il le fait, des éléments qui peuvent se retrouver parce que justement on connaît le texte grec. Petite parenthèse,
parenthèse d'ailleurs, ce texte grec qui, pour nous, on se dit, bah voilà, ils ont découvert le texte grec, c'était des savants, donc ils l'ont lu dès le Caire quand la pierre est arrivée. Que nenni, le texte grec a été aussi compliqué à lire pour les hellénistes de l'époque, parce que les hellénistes de l'époque n'étaient pas habitués au vocabulaire administratif, religieux, lagide. Donc, d'abord, il y a eu la première étape de dire, bon, bah, le grec, faut encore avoir une première traduction du grec avant de commencer à réfléchir. Et donc là, on est vraiment dans une compétition avec Jung qui se fait aussi entre Paris et Londres. Oui, mais nous n'avons pas un anglais ici pour défendre l'honneur de Jung, hélas. Non, mais je pense que maintenant, il y a un livre qui est sorti il y a 2 ans. Je pense que le livre plus important de peut-être 10 ou 20 ans sur le déchiffrement. Et là, il faut quand même le dire que Jung était important. Mais quand on regarde là ceux qui suivent nécessairement, je pense que Champollion inclut aussi Jung, parce que Jung a pratiquement repris littéralement le travail de Åkerblad, il n'a pas vraiment avancé grand-chose. Oui, merci. Alors, Félix parlait d'une de ces techniques hein, de déchiffrement avec l'alignement. On en arrive au déchiffrement comme geste technique. Quels sont ces gestes techniques du déchiffrement? Et Flavia va pouvoir nous en parler. Est-ce que tu retrouves dans une entreprise plus récente des tâtonnements et des gestes et des postures techniques semblables à celles qu'on vient d'évoquer à propos de Jean-François Champollion. Mais peut-être que tu peux nous dire déjà quelques mots du point de vue de la technique. Qu'est-ce que c'est qu'un déchiffrement? Alors, c'est une grosse question. Ça peut être beaucoup de choses. Alors, je vais partir quand même de celui qui a été mon terrain en tant qu'anthropologue et ethnologue. Donc, je me suis intéressée à ces faits, ces tentatives de lire et de comprendre en fait les textes anciens de la part des mycénologues, qui sont les spécialistes du linéaire. Et c'est pour cela que j'en suis arrivée donc à ces terrains très particuliers pour un ethnographe, un ethnologue et un anthropologue, qu'est le déchiffrement. Et ça rejoint un peu ce que Christian Jacob aussi disait tout à l'heure, l'effet de relier justement les savoirs à la question de la preuve de ces savoirs et finalement à la définition, à la connotation de celle-ci ou du savoir impliqué en tant qu'intuition ou autre chose. Et en fait, les déchiffrements du linéaire B est assez, enfin, je dirais, très paradigmatique par rapport à cela parce qu'il est très récent, comme je disais tout à l'heure, et on est en 1952, et il est extraordinairement bien documenté. C'est-à-dire que, en fait, l'ensemble des archives de ces déchiffreurs, il y en a eu plusieurs, donc je vais un peu vous résumer tout de suite, est accessible. Et j'ai eu la chance donc de conduire des enquêtes ethnographiques dans ces mêmes archives, où l'on trouve non seulement un geste du déchiffreur, mais beaucoup de gestes, ou en tout cas gestes comme activité. Au sens technique et ergonomique aussi du terme, et gestes comme travail. Et en fait, ces déchiffreurs se définissent entre eux dans les lettres qui s'envoient, qui s'échangent, en tant que co-travailleurs, co-workers. Et c'est vraiment à ces termes qu'ils compilent l'ensemble de la documentation qui nous renvoie à cette matérialité, en fait, du savoir et de l'appropriation qui est visée et qui en découle. Donc, alors, pour situer un peu l'état de la question quant au déchiffrement du linéaire B, faut savoir qu'il a été très lent. Les premières tablettes, je vais résumer rapidement peut-être, ont été découvertes en Crète par Sir Arthur Evans en 1900, qui était des faits propriétaire de l'ensemble des inscriptions connues. Donc, à nouveau, on rejoint ces problèmes de l'accès. À la documentation. Et jusqu'aux années 40, il meurt en 1941, il était dénommé le seigneur des Knossos. Il était impossible de s'opposer à sa vision des choses et finalement à son objectif. Il devait être, bien évidemment, lui, les déchiffreurs du linéaire B. Ça n'a pas été le cas.
Il a fallu, à partir de sa mort, reprendre l'ensemble de la documentation, puisque de son vivant, il n'avait permis l'accès à que très peu de tablettes. En ayant planifié de les publier par la suite dans un texte, Scripta Minoa 2, en l'occurrence, qui aurait insisté sur les tablettes, sur les documents en ligne RB, mais qui ne fut jamais publié de son vivant. Et donc, en fait, les seuls documents qui purent être accessibles et connus et analysés par l'ensemble des déchiffreurs, ou en tout cas par l'ensemble des savants qui étaient dans la course, puisque c'est de ça qu'il s'agissait, étaient des copies des textes qui avaient été volés à Evans et qui circulaient de manière très, très, voilà, aléatoire et que l'on s'est procuré en faisant aussi des échanges. Ensuite, même les deux autres grands protagonistes du déchiffrement avec Ventris, donc Alice Cobert, une linguiste américaine, et Emmett Bennett, la première experte de la documentation de Knossos à partir de la documentation d'Evans, les deuxièmes, au contraire, experts des Pylos, donc de la documentation en ligne RB découverte après, à partir de 1939, sur les continents grecs, les deux firent un pacte qui, dans les lettres, disent « top secret » parce qu'ils décident d'échanger les copies des documents, justement pour avoir une vision de la documentation qui, autrement, aurait été interdite, puisqu'elle est de propriété des missions archéologiques, voilà. Qui avait fouillé, donc anglaise et américaine. Anglaise pour Knossos et américaine pour Pylos. Tout ça pour dire qu'en fait, ces gestes techniques, effectivement, se situent dans un contexte où il y a des échanges, des pactes, des confrontations aussi, de la rivalité également, parce que ces déchiffreurs, comme je disais tout à l'heure, travaillent tous ensemble, mais à la fois sont dans la course. Et ils sont évidemment les jeunes Ventris, architectes, amateurs qui mettent tous d'accord, qui rassemblent et qui fait circuler l'ensemble des connaissances. Alice Cobert qui travaille dès 1928 sur la documentation et qui élabore la première esquisse, à mon sens, de la grille, de la fameuse grille des Ventris. Et puis Emmett Bennett, spécialiste des Pylos, jeune doctorant à Cincinnati, et qui travaille les seuls à partir de la documentation réelle. C'est les seuls à avoir manipulé les tablettes. Or, il faut savoir aussi que pendant la guerre, qui a ralenti tous ces processus, Bennett avait aussi été cryptographe. Donc, il était professeur archéologue, il avait travaillé sur les tablettes réelles, enfin sur la documentation, et il avait quand même une expérience de taille pour être les déchiffreurs. Et encore une fois, ce n'est pas lui, mais un Ventris, architecte, et qui ne fut pas cryptographe pendant la guerre, mais plutôt navigateur, cartographe pour l'armée anglaise, ce qui va beaucoup intéresser Christian Jacob, je crois, parce que c'est effectivement ce savoir d'architecte et géographe, de map maker, des faiseurs des cartes, qui portera ensuite à élaborer une version plus élaborée de la fameuse grille. Donc une grille des substitutions, que l'ensemble du processus, les copies des textes, les copies des signes et des variantes des signes, puisque un même scribe peut écrire plusieurs tablettes et à la fois un signe peut être trouvé sous plusieurs variantes qu'il est difficile de reconnaître. En fait, tout simplement, les fouilles n'ont pas révélé on n'a pas relevé dans les fouilles d'abécédaires, on n'a pas des listes des signes. Donc, en fait, les savants opéraient ces relevés. Ils copiaient et finalement, dans le but d'arriver à une liste certaine sur laquelle travailler. Et ça a été ce travail à partir des premières erreurs d'Evans, qu'Ventris, Cobert et Bennett travaillent tout au long du processus jusqu'à à la lecture. Et donc voilà, c'est une série
de gestes et des matérialités différentes, des substances différentes dans lesquelles et les hypothèses des langues et l'effet d'écriture, donc l'activité scripturaire des scribes, sont traduits. On compte 186 000 fichiers dans les archives d'Alice Cobert. Et ce sont des cartes de vœux, des vieilles cartes postales, des fiches découpées d'anciens brouillons sur lesquels elle note et puis qu'elle conserve dans les fameuses cartouches de cigarettes qui sont restées un peu qui sont connues, souvent plus connues qu'elle et son travail du point de vue épistémologique, malheureusement, mais c'est un fait. Donc voilà, c'est tout cet ensemble des gestes qui rend compte d'un processus très long. Et aussi, pour rebondir aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à ces savoirs connectés, sur un ensemble des disciplines et des modes des savoirs qui sont différentes, donc la paléographie et l'épigraphie, l'archéologie, la linguistique théorique, les mathématiques, ou en tout cas un raisonnement logique qui est emprunté à d'autres sciences qui ne sont pas les sciences anciennes, et puis évidemment la reconstruction d'un contexte historique qui participe du déchiffrement et finalement du déchiffrement entendu non plus comme processus mais comme résultat, la lecture et la compréhension du linéaire B et des textes que les linéaires B et les scribes mycéniens ont composés en linéaire B. Et en ce sens, je dirais que voilà, il y a eu plusieurs gestes, plusieurs déchiffreurs, mais qui certainement Ventris a été les premiers à avoir lu du grec dans les documents en linéaire B. Voilà. Merci beaucoup. Et alors cette boîte de fiches hein, nous ramène aussi à cette question des pratiques de savoir, des protocoles et des laboratoires dont dispose. Le savant en sciences humaines et qui existe aussi à partir du moment où on sait les lire et les interpréter. Tu as parlé de secrets autour de cette anecdote top secret. J'ai été très frappée dans tes travaux où tu parlais dans le déchiffrement et non plus dans la compétition entre les différents savants qui veulent garder leurs travaux secrets les uns les autres, mais du déchiffrement et du rapport intellectuel, cognitif, au secret et à la révélation. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur cette réflexion que tu as menée Oui, en fait, c'est une réflexion que j'ai publiée et qui va bientôt paraître dans un livre que je dirigeais avec Sophie Houdard, Dominique Casajus, Adeline Roux et Isabelle Rivoal, Cryptographie aux sociétés d'ethnologie de l'Inter. Et c'est une contribution qui porte sur cet aspect qui est particulier du déchiffrement archéologique, puisqu'il s'agit d'un déchiffrement archéologique, par rapport au déchiffrement cryptanalytique. Et c'est là, je pense, ce qui me lie le plus, paradoxalement, à Champollion et au déchiffrement des hiéroglyphes. C'est-à-dire que Champollion est certainement un point de repère, une référence pour les déchiffrements du linéaire B, mais à la fois, les linéaires B se situent à mi-chemin entre les déchiffrements des hiéroglyphes et Champollion et un déchiffrement cryptanalytique au sens très moderne du terme, c'est-à-dire avec un outil computationnel comme celui qu'on vient de voir, qui annonce bien évidemment une mathématisation, une algorithmisation des procédés qui n'était absolument pas appliquée aux écritures de l'Antiquité jusqu'à Ventris. Et c'est là quelque chose de très important, parce que c'est sur cette base aussi que les déchiffrements que Ventris fut critiqué et la controverse autour du déchiffrement éclata, non pas par rapport aux résultats, on lisait et on comprenait, c'était du grec, on n'y pouvait plus rien, c'était fait, mais par contre par rapport à la grille. Et comme Ernst Tittig, qui était un philologue à l'université de Tübingen, l'écrit à Ventris, si vos méthodes sont vraies, l'ensemble de nos connaissances et des méthodes, des procédures suivies en philologie et en histoire sont à dénoncer comme absurdes, puisqu'on n'a jamais vu
l'application d'une méthode militaire cryptanalytique computationnelle à une écriture, une langue de l'Antiquité. Et c'est là un peu l'enjeu et les points de l'exploit des ventrices. Donc, c'est à quoi je me suis intéressée sur aussi par rapport à ce que tu disais, Chloé. C'est justement, évidemment, ça révèle un secret, quelque chose que l'on est connaît pas. Donc, de ce point de vue-là, les écritures anciennes peuvent être assimilées à des codes secrets. Simplement, avec une différence de taille, les scribes anciens n'ont pas écrit pour nous cacher les informations, pas toujours, en tout cas. Les cryptographies ont toujours existé, ça va même avec la naissance, peut-être, des écritures, mais ils ont tout simplement écrit. Simplement, ces savoirs ont été perdus. Et donc, du coup, les secrets du déchiffrement est plutôt un non-su que les savants essayent de percer. Et de percer non pas à travers simplement, justement, une intuition. On lit souvent Ventris sentit que c'était du grec. Or, il ne sentit pas vraiment. Il vu. Il reconnut une langue qu'il connaissait, il put reconstruire la morphologie de cette langue grâce aux travaux de Cobert. Donc il n'y a pas cette perception héroïque, il y en a certainement, mais je pense qu'un ethnologue, en tout cas ce à quoi je me suis intéressée, qui ramène à mettre en avant un processus de connaissance, c'est justement cette chaîne et cette traduction de cadres de référence, d'indices, des repères qui, sur lesquels les déchiffreurs peuvent avoir prise, parce qu'il a appris les mathématiques, parce qu'il a appris des langues, parce qu'il connaît très bien la documentation. Et c'est cet ensemble des gestes, d'appropriation, qui font que finalement, les déchiffreurs puissent être amenés à connaître les textes et puis finalement à les lire et à reconstruire la langue, c'est rapprochant de plus en plus aux scribes et aux lecteurs anciens. Et c'est cette question, en tant qu'anthropologue et ethnologue, qui m'intéressait, c'était cette rencontre entre les anciens et les modernes que les déchiffrements permet de saisir et d'illustrer. C'est un déchiffrement à distance. C'est Madeleine David qui a écrit cela en 65 dans une œuvre fondamentale, à mon sens, sur les hiéroglyphes et les débats autour des hiéroglyphes. Ce sont des déchiffrements à distance, les déchiffrements des écritures anciennes. Et voilà. Et en même temps, les déchiffrements réduisent quelque part la distance, puisque c'est une découverte tout à fait particulière. Puisque ce n'est pas simplement la découverte d'un fait des sciences, il s'agit de lire et de comprendre, et donc d'avoir quelque chose en commun, de se rapprocher de ces mondes anciens d'autrefois. Bah, merci, tu nous offres une très belle transition vers notre dernier temps. Y a un mot qui est souvent revenu hier sur les gestes de déchiffrement, c'est le pari. Le pari d'une langue, donc dans le cas de Ventris, le pari du grec. Et puis, on voit aussi le rôle des émotions. Françoise Vaquier a publié une histoire émotionnelle des savoirs, mais dans l'anthropologie des savoirs et des processus de savoir, les émotions jouent un rôle. On pourrait, je pense, développer sur ce thème, mais on n'aura pas le temps. Mais aussi cette rupture de la distance, hein, y a quelque chose qui revient beaucoup dans les lettres de Champollion, et cette espèce d'enthousiasme quasiment mystique quand il va en Égypte rassembler des textes, mais aussi vérifier, tester son système. Il n'arrête pas de dire qu'il parle. Il parle avec les anciens, il parle avec les Égyptiens, c'est les anciens Égyptiens qui l'intéressent. On l'oublie dans les tombes dans lesquelles parfois on le retrouve alors qu'il a fait un malaise. Et il parle de ce dialogue avec les morts et avec les ancêtres. Et on sent qu'il y a cette... C'est aussi un geste humaniste de Champollion qui veut... Et dans ce cadre-là, c'est un anthropologue. Il veut comprendre les Égyptiens, il veut comprendre leur monde en parlant comme eux et en parlant
avec eux. Mais on voit aussi, et j'en arrive à notre dernier point, un déchiffrement, alors d'autant plus quand il s'agit de celui de l'Égypte ancienne qui va donner accès à un monde ancien, c'est la même chose avec le linéaire B, provoque des jeux entre les disciplines et les champs de savoir. Et avec, et c'est aussi le moment un moment historique de disciplinarisation des champs académiques. Et c'est la dernière question qu'on aimerait poser avec le déchiffrement des hiéroglyphes. On dit que c'est la fondation de la discipline égyptologique. Comment se crée une discipline? Alors la première question, je l'adresserai à Christian Jacob, qui n'est pas égyptologue, mais qui, après ses lectures pour préparer notre table ronde, et notamment ses lectures sur Kircher, m'a dit finalement le déchiffrement par Champollion, l'ouverture de l'égyptologie, c'est le basculement d'un univers à un autre, et c'est une histoire de désenchantement. Oui, en effet, parce que je crois qu'il faut dire les choses franchement. Le déchiffrement de la pierre de Rosette, ce document administratif, politique, religieux, au fond est extraordinairement décevant. Enfin, on aurait pu imaginer trouver, je ne sais pas, la quintessence des sagesses égyptiennes, de ces théologies syncrétiques remontant à la nuit des temps. Or, nous avons un document administratif avec une titulature politique et religieuse, des noms d'institutions et des mots administratifs, etc. C'est extraordinairement décevant d'un point de vue purement imaginaire et poétique. Mais c'est vrai aussi que c'est sans doute le point de départ de quelque chose qu'on appelle l'égyptologie. Est-ce que l'égyptologie est une discipline au même titre, je ne sais pas, on parle aussi de sinologie, on parle tibétologie, etc. Ce ne sont pas des noms de discipline au sens propre, c'est des noms qui délimite des champs de savoir portant sur des aires culturelles et qui peuvent se subdiviser en épigraphie, histoire religieuse, histoire sociale, architecture, archéologie, histoire de l'art, etc. Et il y aurait sans doute beaucoup à dire, mais je ne suis pas compétent là-dessus, sur les étapes d'institutionnalisation de ces spécialités à travers des postes universitaires, des chaires d'enseignement, etc. Mais effectivement, bon, l'égyptologie naît-elle avec Champollion? Moi, j'aurais tendance à dire que non. Elle est déjà présente chez Homère et chez Hérodote. Il y a un discours sur l'Égypte. L'Égypte permet de penser des choses. L'Égypte est un horizon par rapport auquel les Grecs se pensent et se définissent. C'est un monde qui finalement est très particulier dans leur univers. Les Égyptiens ne sont pas des barbares. Mais c'est une antique civilisation à l'école de laquelle les Grecs se placent eux-mêmes. Alors pour revenir à Kircher, son Édipe égyptien, sa position finalement de déchiffreur d'énigmes face au sphinx égyptien, déploie un univers qui est complètement fascinant et qui est encore aujourd'hui complètement envoûtant. C'est-à-dire que l'Égypte est la source de tous les savoirs, de toutes les sagesses, de toutes les spiritualités. C'est un berceau originel qui a conservé, transmis, hybridé des savoirs remontant à la nuit des temps, remontant avant le déluge, des savoirs dont on peut retrouver la pureté à travers ce langage, cette inscription symbolique des hiéroglyphes. Et finalement, j'ai l'impression, mais je ne sais pas, mes collègues plus spécialistes que moi pourront peut-être me contredire, j'ai l'impression que l'Égypte s'évanouit d'une certaine façon dans le travail de Kircher et qu'on arrive à une sorte de monde des savoirs où les sagesses grecques, juives, chaldéennes,
et de mésopotamienne se mélangent, s'unissent, se complètent, s'expliquent les unes par rapport aux autres. Et c'est tout à fait fascinant de voir comment Kircher travaille avec les textes grecs, avec des textes du Moyen-Âge et la Renaissance, mais aussi avec le Zohar, avec le Talmud, avec la Kabbale, avec les oracles chaldaïques, c'est-à-dire une sorte de syncrétisme herméneutique totalement vertigineux. Et enfin, il faut rappeler que l'Édipe égyptien de Kircher, c'est plus de 2000 pages imprimées, 3 volumes. C'est une expansion encyclopédique et polymathique tout à fait extraordinaire. Donc c'est par rapport à ça, par rapport à ce rêve, à cet idéal, à ce labyrinthe parcouru par Kircher, qu'il était le seul à véritablement maîtriser et cartographier, c'est par rapport à ça que je dirais que finalement le déchiffrement de la pierre de Rosette marque un basculement et le passage dans un monde laïcisé, désenchanté, qui est effectivement celui des sciences philologiques, archéologiques, historiques, de la modernité, où l'on perd un peu l'illusion d'accéder à un savoir universel, primordial et originel, où se mêlent la religion, la magie, la spiritualité, l'ésotérisme et une sorte d'histoire générale de l'humanité, pour arriver à quelque chose qui est beaucoup plus technique, qui est beaucoup plus rassurant, beaucoup plus assuré aussi par rapport aux constructions de Kircher, dont il ne reste pas grand-chose aujourd'hui, sinon effectivement la fascination des lecteurs qui acceptent de se perdre dans cet univers. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je voulais dire. J'ai quand même une grande sympathie pour Athanase Kircher, qui un grand voyageur qui... Voilà, travailler sur le monde souterrain, sur le magnétisme terrestre, sur les obélisques de Rome, qui était dans cette ville, le monde, avec les réseaux du Collegio Romano et de la Compagnie de Jésus, qui était au centre de cette République des Lettres à l'époque, une République différente de celle de Champollion. C'est une trajectoire et une entreprise complètement fascinante. Donc, je ne sais pas si Kircher peut être considéré aujourd'hui par les égyptologues comme un des pères de leur discipline, mais voilà, c'est donc une petite défense d'Athanase Kircher par rapport à Champollion. Jean-Charles Dussène, vous vouliez réagir ? Mais, oui, tout à fait, pour aller dans la continuité de ce qui vient d'être dit, notamment par rapport à ce désenchantement que la pierre de Rosette, peut-être, ou Champollion ont introduit. Il faut savoir que les alphabets magiques arabes que je vous ai montrés tout à l'heure étaient connus justement de Athanase Kircher, d'une part, et ensuite la toute dernière publication de ces alphabets a été faite par un illustre orientaliste, Joseph von Hammer, qui était autrichien, qui était viennois, en 1805 à Londres. Et justement, par la suite, ces alphabets sont tombés en désuétude et ont simplement été considérés comme étant des fumisteries sympathiques du Moyen-Âge et des porteurs de la pensée magique, et plus du tout mis en rapport avec les hiéroglyphes, parce que justement, la pierre de Rosette est passée par là pour enlever la magie, entre guillemets, que ces symboles pouvaient avoir. Merci. Et justement, si on parle des différents champs de savoir qui se réorganisent, etc., j'aurais envie de vous demander, on voit ici cet alphabet magique arabe et égyptologique, peut-être. Quel type de savant dans votre monde à vous s'intéressait à quelle ère de savoir appartenait-il ces savants qui menaient ces études sur les monuments égyptiens anciens ? J'aurais des difficultés à donner une seule catégorie, car ce sont bien souvent des individualités seules qui, par le hasard de leur pérégrination, sont arrivées en Égypte. Mais ils sont de toute manière issus de la judicature. Ce sont des clercs, donc des juristes, mais qui possèdent donc une culture importante et ont un intérêt pour l'histoire au sens large. Mais ce qui leur a peut-être, ce qui était un frein dans leur démarche a été peut-être le fait d'oublier, ou, enfin de ne pas savoir ou de ne pas imaginer que le
que le copte, et à leur époque, le copte est encore une langue vernaculaire, que le copte était peut-être dans la lignée de la langue que cette écriture, que ces écritures notées. Et par ailleurs, ce n'étaient pas des linguistes. Dans le meilleur des cas, c'était des grammairiens, mais grammairiens qui maîtrisaient l'arabe et qui avaient un esprit grammatical, je peux dire, formaté par ces paradigmes de la grammaire arabe. Et donc, ils n'ont pas imaginé que l'écriture qu'ils avaient à déchiffrer était une écriture qui notait une autre langue que la leur, et encore moins que cette langue était en rapport avec ce qu'ils pouvaient entendre d'autres Égyptiens qu'ils côtoyaient quotidiennement. Et est-ce qu'ils le parlaient, le copte? Est-ce qu'il y a des signes d'échange entre, à l'époque où le copte n'est peut-être pas encore qu'une langue liturgique, ou oui? Deux choses. On a un texte de Chenouté, d'un moine du 5e siècle, qui est une diatribe contre les hiéroglyphes. Bon, on est là au 5e siècle, les choses évoluent par la suite. Mais les auteurs arabes qui ont écrit sur les hiéroglyphes ou sur la culture égyptienne antique sont avant tout des auteurs musulmans, et uniquement musulmans. Et donc, dans le meilleur des cas, ils vont faire appel à un copte, à un moine ou à un prêtre copte, pour lui demander quelque chose par rapport à une inscription. C'est ce que les textes nous disent, mais ils ne sont pas eux-mêmes curieux par rapport aux coptes qu'ils peuvent connaître. Un exemple, mais pour une autre langue, l'ambassadeur de Frédéric II, on est là au milieu du XIIIe siècle, donc le roi de Sicile, hein, l'archevêque de Palerme, Berardus, passe par le Caire en mission diplomatique, mais il émet le désir d'aller visiter les pyramides. Il est accompagné aux pyramides, et il s'avère qu'il y aurait ou qu'il y a une inscription en latin aux pyramides. Ce sont donc ses accompagnateurs musulmans, arabes, qui lui demandent de déchiffrer cette inscription latine, qu'eux-mêmes ne savent pas, traduire, et aucun de ces Égyptiens n'a pris la peine d'étudier le latin ou de demander aux marchands italiens qui passaient par là de leur donner des rudiments pour déchiffrer cette inscription. Donc il y a en quelque sorte la suprématie de la langue qui est la leur, l'arabe, mais suprématie assise sur la révélation qui fait qu'ils ignorent, je dirais, un contact plus interne, plus structurel avec d'autres langues, même locales, comme le copte pouvait l'être. Merci beaucoup. Alors, on arrive malheureusement au terme de cette table ronde. Mais c'est vrai qu'on peut peut-être revenir, et je vais repasser la parole à Jean-Luc Chappet. Je crois que vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit. Et puis après, je vous poserai des questions sur le moment épistémologique dont procède, hein, cette émergence de l'égyptologie. Je vais être très très court, mais juste pour rappeler, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette dimension-là, Champollion, c'est aussi un pédagogue. Et il faut savoir que toute la grande, et je pense en particulier à ce que vous venez de dire sur l'anthropologue, etc., parce que, en fait, la question des langues se pose de manière très concrète dans les années 1800-1830 en particulier. Je pense, c'est pas une anecdote, hein, mais j'aurai pas le temps de développer, mais tout le débat sur la langue des signes, des sourds et muets, c'est crucial pour tous ces gens-là. Et je pense qu'il y aurait des choses à creuser. Puis la deuxième chose, alors on est parti je pense, d'origine complètement différente. Mais alors, j'applaudis à quatre mains ce que vient de dire Christian Jacob. Parce que pour moi, en effet, le 1824, ce qu'on pourrait appeler l'institutionnalisation de l'égyptologie, c'est surtout la manière dont on va mettre à l'écart tout un ensemble de savoirs sur l'Égypte. Et je pense qu'on pourrait... Alors, moi, je n'ai pas de chercheur, mais j'ai un certain Antoine Fabre d'Olivet, qui est connu par le milieu des érudits du XXIe siècle, parce qu'il a écrit pas mal de choses. C'est le grand philologue jusqu'à Champollion. C'est celui qui croit retrouver dans la langue égyptienne une sorte de langue mère,
Et pendant entre 1804, c'est un érudit, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est assez jeune également, qui fait sa carrière administrative. Il a un savoir vraiment livresque, il bénéficie d'une des plus grandes bibliothèques de privé, celle de l'île de Sales. Et il publie à partir des années 1815-1824 plusieurs ouvrages d'histoire philosophique. En fait, Champollion, je pense que là, Christian Jacob a complètement raison. En fait, vous allez voir, Champollion va faire basculer dans ce qu'on va appeler plus tard l'occultisme tout un ensemble d'auteurs qui ont plein de théories sur l'Égypte, fondées sur une connaissance pas très sûre de la langue égyptienne. Et là, ce qui est sûr, c'est qu'en Antoine Fabre d'Olivier, il n'y a pas que lui. En Antoine Fabre d'Olivier, à partir des années 1830, il n'est plus considéré comme un savant. C'est-à-dire qu'il va basculer dans l'occultisme, donc qui va être redécouvert au début du XXe siècle par les historiens de l'occultisme. Et aujourd'hui, quand vous regardez Fabre d'Olivier, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il est, cité, alors, mais pas par les pairs, scientifiques, etc. Et je pense que là, je ne sais pas si c'est le désenchantement, hein, mais en tout cas, il y a une coupure, il y a des effets, en fait, sur le partage des choses et le partage des scientifiques, hein, qui est très fort. Donc je pense que c'est ça qui est aussi... Les effets, c'est moins sur Champollion, peut-être, que sur les... Voilà, oui, fait bouger, en fait. C'est exactement ça. Je voulais qu'on revienne sur ce moment épistémologique dont participe Champollion et que vous venez de résumer, hein, puisque avant Champollion, cet intérêt pour l'Égypte ancienne participe d'un certain nombre de champs de savoir et de pratiques de savoir qui vont disparaître. Hein. Vous parlez dans vos travaux des enjeux de l'histoire des langues. On voit aussi la question de l'anthropologie, l'observation des hommes, les progrès de la civilisation par la découverte de ces savoirs enfouis, cachés, oubliés. Et puis, on peut conclure là-dessus, et ça sera la remarque de l'égyptologue sur cette discipline et ce moment épistémologique. Champollion va rassembler de la matière, il constitue un corpus, et l'égyptologie naît aussi au moment de l'émergence de la philologie. L'histoire de l'égyptologie va épouser l'histoire de la philologie au XIXe siècle, c'est-à-dire un regard sur les langues qui est un regard avant tout, enfin sur l'écriture qui est avant tout un regard linguistique. L'écriture est un système de signes qui sert à encoder une parole le mieux possible, si possible. Au fur et à mesure qu'on va standardiser, comprendre, créer des paradigmes sur l'écriture et la langue égyptienne, on va s'éloigner de plus en plus de cette matérialité des signes, de leur sémiotique et leur sémiologie propre, alors que le signe hiéroglyphique est justement un objet tout à fait particulier. Il encode du langage, mais il garde jusqu'au bout sa valeur iconique, avec une portée, une potentialité encyclopédique de nous renseigner sur la vision du monde des anciens Égyptiens, mais aussi la vision du monde du scribe qui peut faire des choix. Et alors c'est l'un des objets du programme Écriture qui est le promoteur de cet événement, mais c'est aussi l'un des tournants qui accompagne un tournant des sciences humaines, hein, un tournant matériel de retour à cette signification en plus ou à côté du linguistique. Christian ? Oui, je voudrais simplement rebondir sur ce que tu dis, Chloé, parce que finalement, peut-être que le principal apport de Champollion, c'est d'avoir introduit dans l'espace savant européen et international une nouvelle bibliothèque, c'est-à-dire des textes qui vont rentrer dans ce processus de lecture, d'édition, d'interprétation, de commentaires. Et tes remarques sur la philologie suggèrent qu'un des grands intérêts, enfin pour un observateur extérieur comme moi, qui connaît un peu la philologie grecque, mais pas du tout la philologie égyptienne, c'est de réfléchir comment finalement les différentes traditions, la tibétologie, les études sanskrites, les études sur l'islam, l'égyptologie, la syriologie vont développer des traditions philologiques et herméneutiques
à des rythmes, avec des outils, dans des réseaux différents par rapport à la philologie gréco-latine ou biblique qui remonte qui remonte à Alexandrie très largement, c'est-à-dire qui se déploie sur près de deux millénaires. Et donc, l'un des horizons de cette table ronde et peut-être le projet d'une future table ronde, ce serait de faire une histoire comparée des philologies, finalement, entre disciplines et de voir où en sont ces différents domaines sur le corpus bouddhiste, sur les corpus de l'islam, sur le corpus de Confucius et des classiques chinois, sur le corpus sanskrit et le corpus égyptien, et de voir finalement les rythmes de construction des outils, des protocoles interprétatifs, des modes de spécialisation et la construction des grammaires, des dictionnaires, des thésaurus, des éditions numériques, etc., etc. Merci. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure s'il y a plus de... Simplement, ici nous avons une image d'une des pages de la grammaire de Champollion et méthodologiquement, rappeler à nouveau, nous égyptologues, nous translittérons un texte, nous avons mis en place aussi des codes qui se sont mis en place après Champollion. Champollion n'en avait pas besoin, Champollion il passait par le copte pour faire le geste que nous on utilise pour translittérer. Donc c'est aussi dans la construction de ce savoir la place de Champollion et comment après l'égyptologie s'est construit dans cette construction linguistique du 19e siècle et de l'écriture avec ses outils. Avec ses outils. Donc, simplement, peut-être pour conclure cette table ronde qui nous a fait porter à différentes thématiques de la construction du savant, de penser le génie, des contacts culturels à la fois médiévaux, donc du point de vue temporel, mais aussi spatiaux avec l'Orient, autant de thèmes que nous avons simplement survolés. Et moi, je souhaiterais peut-être terminer parce que hier, nous avons évoqué dans le colloque, Fabien Plazanet a développé la place de Champollion dans les manuels scolaires de la Troisième République en montrant comment Champollion avait été construit comme une figure de l'histoire nationale. Et évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre la place qu'occupe aujourd'hui Champollion dans un manuel scolaire en vigueur dans les collèges actuels français, mais qui illustre quand même, c'est le seul déchiffreur qui est mentionné dans les manuels français encore aujourd'hui, et illustre la place qu'elle occupe. Cette place est peut-être aussi également à montrer par les différents débats qu'il y a eu autour de la statue de Champollion. Je crois qu'il faut quand même juste au moins les signaler pour terminer cette table ronde. Évoquer les mots de Bénédicte Savoy qui avait évoqué cet effroi que lui avait causé la vue de cette statue qui est également régulièrement critiquée dans les réseaux sociaux en raison du refoulé colonial qu'elle peut transmettre. Et en effet, les égyptologues, nous devons aussi prendre cette question en place, évoquer que oui, cette statue n'est sûrement pas neutre en 1875 au milieu du deuxième empire colonial français. Certes, et c'est une réalité qu'il faut dire, mais nous ne pouvons pas nous arrêter non plus à cela. Des études stylistiques en histoire de l'art sont nécessaires, que je ne mènerai pas. Je signale Julien Aubert de la Pierre qui en prépare une à partir des archives Bartholdi, d'ailleurs, pour questionner justement le geste, le pied posé sur une statue qui n'est pas, d'ailleurs, la tête n'est pas tranchée, mais il s'agit d'un fragment de statue, précisons-le. Que signifie-t-il ? Bon, ce n'est pas à moi d'y répondre, mais aussi à contextualiser cette statue, non seulement du point de vue du colonialisme français, une réalité certes, mais aussi à contextualiser par rapport à qu'est-ce que c'est que l'Égypte en 1867, date de la première, du premier plâtre de cette statue, et en 1875, l'Égypte est un État indépendant.
en 1867, en 1875. On est avant 1882. L'Égypte n'est pas encore sous protectorat voilé anglais, certes fortement endettée, mais cela permet aussi de comprendre dans le cadre de la place que peut jouer l'appropriation scientifique sur une discipline, et l'égyptologie est éminemment liée à une possession scientifique d'un pays, chose que dès l'époque de Champollion, cela est rappelé. Mais cette action n'est pas forcément toujours liée à la diplomatie. Par exemple, justement, comparant les années 1860, Mariette est encore tout seul à la tête des antiquités égyptiennes. Il tente de survivre dans un musée face à un khédive qui ne peut pas payer les frais. 1880, là au contraire, la diplomatie française a repris le dessus, la création de l'IFAO, la mise en place d'objectifs pour faire face au canal de Suez. Donc voilà, simplement aussi terminer sur une volonté de contextualiser ces objets, contextualiser la figure de Champollion qui a pu prendre à différents moments des visions différentes selon l'époque. Oui, c'est une histoire de réception. Eh bien, merci beaucoup à nos intervenants, à leur patience et aux éclairages tout à fait savants, mais d'une extrême pertinence, je crois, sur cette figure de Champollion extrêmement complexe et sur la période et le moment épistémologique du déchiffrement avant et après. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.